Bonsoir mes chers amis, bonsoir que vous soyez gilets jaunes ou pas, bonsoir, ravi d'être avec vous comme tous les soirs depuis des semaines et ce soir c'est bien entendu un soir particulier puisqu'il s'agit du samedi, un acte parmi les actes, un acte, le dernier acte, l'acte 13 et je peux vous assurer que il est encore plus puissant que les actes précédents. Il y a eu une mobilisation partout, à travers toute la France. Vous voyez à l'image que les mobilisations, les nocturnes continuent un peu partout. Alors, bien entendu, il y a eu malheureusement des blessés, hein, des blessés à cause du matériel utilisé par les forces de l'ordre, hein. C'est pas parce qu'ils ont glissé sur une peau de banane, hein. Voilà, c'est des héros. C'est des héros, vous êtes nos héros, et vos bourreaux seront jugés, ils seront traduits devant nos tribunaux populaires. Ça sera la vraie justice, pas cette justice franc-maçonne, hein, de la franc-maçonnerie qui sert juste à protéger les tyrans entre eux. Voilà, une main arrachée, on l'a vu. D'autres blessés, y compris Ramos, que vous connaissez, hein, il a été blessé, visiblement sur les images, il est même bien atteint, hein. Il s'agit de traumatisme crânien, il avait l'air de bien souffrir, donc bien entendu, on ne peut que lui exprimer notre solidarité, notre soutien, hein. Même si on n'est pas d'accord sur plusieurs lignes, il ne faut pas se détourner de l'objectif. Nous avons tous un objectif commun. Et donc, il est clair que Ramos et d'autres ne défendent pas forcément nos revendications, mais quand même, ils ne sont pas contre nous. Voilà, ça il faut le savoir, il faut le reconnaître. Et alors en même temps, je suis en train de gérer ce que je vois en bas. Il faut savoir, voilà. Hop. Il faut savoir identifier, hein, ses ennemis et ses amis, mais aussi les personnes avec lesquelles il vaut mieux s'unir, hein, au minimum être neutre, hein, plutôt que se disperser, hein,
Et c'est ce que la franc-maçonnerie, c'est ce que nos adversaires cherchent, cette division. Donc, Ramos, rétablis-toi vite. Tous les autres gilets jaunes qui ont été blessés aujourd'hui, force à vous. Vous êtes des héros. Et j'espère que nous arriverons au mois de mai avec ces samedis jaunes. Il est important qu'on y arrive. D'ailleurs, j'appelle ce soir à annuler les élections européennes. Je ne vois pas en quoi il serait en quoi il serait utile, voilà, de continuer à jouer ce jeu macabre avec un Macron qui fait sa propre publicité, qui est en campagne électorale pour des élections européennes qui visiblement seront très très loin des attentes du peuple, sont très très loin de l'actualité, sont très très loin d'un pays qui est en train de vouloir changer tout le système, y compris son appartenance actuelle à l'Europe. Donc ça n'a plus de sens, hein. Ça n'a plus de sens qu'on continue dans ce cinéma de campagne électorale qui ne dit pas son nom, avec des élections européennes qui arrivent et que franchement, ça m'étonnerait que les électeurs puissent savoir le programme des uns et des autres. Les électeurs ne savent même pas qui va se présenter. Les électeurs n'ont aucune idée des revenus, enfin des programmes, hein, des programmes des différents partis, des programmes des différentes listes aux européennes. Et donc ça devient absurde. Il est absolument nécessaire, non seulement on va économiser donc de l'argent public, mais aussi on va économiser notre un temps électoral qu'on pourrait mettre en place une fois qu'on aura réglé les revendications du peuple qui se manifestent à travers le jaune, hein, le jaune des gilets jaunes. Et donc, il est préférable d'utiliser ces élections, hein, pour plus tard, lorsqu'on aura réglé l'affaire de la Constitution, s'il faut la modifier ou pas, lorsqu'on aura réglé l'affaire de la corruption de la franc-maçonnerie qu'il va falloir chasser de toutes les institutions françaises et de tous les pouvoirs français, lorsqu'on aura instauré le respect de la laïcité en France, lorsqu'on aura réglé plusieurs problèmes, à ce moment-là, oui, on pourra faire des élections européennes ou même des référendums, enfin d'autres types d'élections. Pour l'instant, moi je ne vois, enfin je suis surpris que personne ne demande d'annuler ou de reporter les élections européennes. Vous savez, c'est pas impossible à faire, hein. C'est déjà arrivé par le passé, pas qu'en France, hein. Le report d'élections, des fois l'annulation, mais le plus souvent le report dans le calendrier, hein, d'élections, ça arrive souvent, et même des élections présidentielles, hein, il arrive qu'on doive les reporter. Là, actuellement, la situation du pays, la situation de tension, la situation d'extrême, donc il y a les forces de l'ordre, mais aussi tous les organismes qui sont là pour faire en sorte que des élections se déroulent sans triche et se déroulent dans un bon ordre. Et donc la situation du pays impose le fait de reporter ces élections. Voilà, mes chers amis, ça, j'avais envie de vous dire ça. Pour le reste, l'acte 13, c'est une absolue réussite. J'ai regardé toute la journée avec vous, j'ai publié des vidéos,
Et je pense que voilà, c'est si je devais dire un mot, je dirais absolue réussite. Et je n'ai jamais constaté de tous les actes précédents. Et vous savez que j'ai été avec vous pendant tous les actes. Je n'ai jamais constaté un acte aussi fort hein, au niveau présence, au niveau mobilisation. Ça se voyait, il y a des jeunes partout. Et puis il faut surtout pas suivre leurs chiffres, hein, c'est des manipulateurs, ils savent plus comment mentir, hein, leurs chiffres. Je vous donnerai tout à l'heure, comme d'habitude, les chiffres d'un syndicat de police qui donne souvent des chiffres éloignés des mensonges du pouvoir, les mensonges politiques. Mais l'acte 13 est une absolue réussite, et même ça m'a rassuré quelque part parce que on voit bien la confirmation que les mouvements, les gilets jaunes n'obéissent pas, n'obéissent ni aux gilets jaunes médiatisés. Hein. À chaque fois que les gilets jaunes médiatisés disent venez, on va aller à droite, bah, les samedis, les autres gilets jaunes sont partis à gauche. Ils n'obéissent pas non plus aux médias. À chaque fois que les médias disent non, mais c'est fini, oui, et puis ils vont aller se mobiliser les gilets jaunes à tel endroit, les gilets jaunes partent à d'autres endroits. Donc ça c'est magnifique, ça se confirme hein, qu'il y a une autonomie, une espèce d'autonomie. Hein. Ça c'est génial. Et dernier point, on a vu le fiasco total de la grève générale illimitée à laquelle donc ont appelé les syndicats corrompus aux mains du pouvoir, les têtes surtout. Hein. C'est comme tous les mouvements, hein, que ce soit les syndicats, que ce soit les mouvements Black Blocs. Les FMN, les Antifa, pratiquement toutes les associations que vous voyez défiler dans les médias, etc., c'est toujours le même phénomène. C'est la franc-maçonnerie aussi, hein, pourquoi pas. En bas, vous avez des gens, généralement, de bonne foi, qui savent pas les tenants et les aboutissants de l'organisation dans laquelle ils entrent. Mais, je veux dire, leurs attentes ne sont pas les mêmes que les attentes des personnes qui tirent les ficelles en haut, qui donnent les ordres, et qui ces personnes-là sont perméables, ils sont perméables avec le pouvoir, hein, ils sont même en connexion avec le pouvoir, ce qu'on appelle les gouvernements profonds, hein, la franc-maçonnerie tout simplement, hein, les grandes têtes pensantes. Donc de ce point de vue-là, c'est génial. Parce que lorsque Macron a commencé ses débats, il y a eu des samedis donc jaunes très très forts qui ont, et même lorsque les médias ont dit que Macron gagnait 4 points, les mobilisations des samedis ont démontré que c'était totalement faux. Ça c'est génial, je veux dire, on ne peut que se réjouir, on ne peut que s'en féliciter de voir les claques. Les claques que les médias prennent en permanence, les claques que Macron et son gouvernement et tous les manipulateurs politiques prennent en permanence, à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils disent oh, c'est bon, c'est réglé, c'est bon, on s'est entendu, etc. Même lorsqu'ils utilisent des gilets jaunes pour faire ça, que ce soit Jacqueline Gourault, etc., qui appelle au calme en disant c'est bon, on a obtenu ce qu'on voulait, eh bien, ils se sont toujours pris de grosses claques avec les samedis. C'est pour ça qu'il était important de pas s'entraîner dans d'autres types de grèves, des blocages, etc., qui seraient suicidaires pour nous et nocifs et toxiques pour nous. Et donc là, la dernière claque en date, c'est l'énorme baffe que se sont pris les syndicats et tous ceux qui ont appelé. Il y a eu des gilets jaunes, hein, c'est ça qui est grave. Hein. Il y a eu des gilets jaunes hein, sur le terrain qui disaient oui, avec la CGT, etc. Ces gens-là, ils ont aucune culture, hein, aucune culture politique. Hein. Ils n'ont pas de recul, ils savent pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, ils ont aucune culture politique. Et donc, baffe pour tout le monde. Il y a eu une distribution de claques. Non seulement il n'y a pas eu de grève générale, hein, peut-être il y a eu, moi je sais pas, moi j'ai pas vu, hein, mais il y a eu peut-être un magasin qui s'est retrouvé en grève, mais sinon il n'y a pas eu de absolument. On n'a vu aucune grève, hein, ni générale, ni partielle, ni même un centième de grève. Et aujourd'hui, on a un magnifique samedi. Ça veut dire, voyez bien, il y a une déconnexion
Vous avez le peuple, il sort les samedis, il sort pas avec la CGT, le peuple ne sort pas là avec la CFDT, le peuple ne regarde pas les débats à Macron et n'y croit pas une seconde, et le peuple ne suit jamais ce que disent les médias. Mais c'est fabuleux, c'est une réussite, c'est une réussite, c'est jouissif. Vous voyez mon état, c'est jouissif. Moi, je suis absolument confiant pour la suite, même si j'ai déprimé et je déprime de voir ceux qui ont été choisis par le système, les gilets jaunes médiatisés, qui c'est un ensemble de personnes, voilà, sans instruction et sans culture politique, hein, c'est une catastrophe. Peut-être même comme Macron, avec un problème de toxicologie, hein. Un problème comme ça. Bon, c'est vrai que ceci est déprimant parce que vous vous dites que finalement, ces gens-là n'ont pas de plan B et qu'ils sont instrumentalisés. Pour certains, ils savent très bien de quoi il s'agit, comme la Jacqueline Gourault, qui est certainement franc-maçonne. Pour les autres, bon, ben, on les a pris parce que c'était tout simplement des idiots utiles, hein. Ils savent même pas, il n'y a qu'à voir comment. Bon. Allez, on va pas, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il n'y a pas de, si on les suit eux, il n'y a pas de plan B. C'est des gens qui s'arrêteront, et même beaucoup se sont arrêtés, qui s'arrêteront dès que on leur servira le RIC, hein, c'est ce qu'ils demandent. Bon, bah, tenez le RIC, allez. Qu'est-ce que tu vas en faire avec le RIC? Tu vas rien faire. Bon, voilà, on a le RIC. Et puis quand ils se rendront compte que tout est corrompu et qu'il n'y a rien qui marchera, parce qu'il n'y a aucune élection qui marche en France, pourquoi voulez-vous qu'un RIC marche? Bon, voilà. Et lorsqu'on leur dira, bah tiens, je vous fais 200 euros sur le SMIC, c'est ça ce que tu voulais, non? Oui, et puis je voudrais aussi pour les personnes handicapées, ok, allez, tiens, je t'en mets 50. Et puis je voudrais pour les femmes, ils disent célibataires, ce qui n'a aucun sens. Hein. Pour les femmes isolées, bon, allez, on va augmenter la CAF. Et puis ces gens-là, ils vont s'asseoir après. Ils vont s'asseoir, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Mason, qu'est-ce qu'il y a, Mason? Pourquoi tu fais ça? Il veut être en live. Mehdi, le petit Noah. C'est qui le petit Noah? C'est qui le petit Noah? Je sais pas qui c'est qui le petit Noah, mes chers amis, là. Vous m'interrompez. Il attend le petit Noah. Je ne sais pas qui c'est. Hein, le petit Noah, expliquez-moi qui c'est. Le petit Noah, c'est qui? Bon, vous me laissez finir parce que vous me coupez. Je ne sais pas qui c'est le petit Noah qui veut intervenir avec moi. Bon, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Eh bien, super, super, les amis, vous m'avez interrompu. Alors, ben, je vais voir c'est qui ce petit Noah. Hop. Alors, il est où le petit Noah? Alors, c'est un jeune homme donc qui est en train d'intervenir dans La France en colère, si je comprends bien. Ce n'est pas mon programme parce que là je voudrais faire des multiplexes. Là c'est pas sympa ce que vous avez fait, hein. Vous m'avez interrompu. Je ne dis pas que le petit Noah ou que le grand Noah ne sont pas des personnes intéressantes, mais vous m'avez interrompu dans mon élan. Et encore une fois, vous ne savez pas si j'ai prévu aujourd'hui de prendre des personnes ou pas. Tu peux me dire juste la personne qui est là? Secondo, c'est un soir donc de multiplex. J'ai des lives qui tournent partout. Et il n'est pas prévu que je prenne une personne. Bon, allez, exceptionnellement. Mais vous allez vous faire taper sur les doigts après, hein. Mason, tu vas te faire taper sur les doigts, hein. On va aller voir qui est le petit Noah. Allez.
On va l'écouter. Gilet jaune, putain. Genre, il n'y a pas un jour où est-ce que je me dis, putain, gilet jaune dans ma tête. Pas un jour où est-ce que je vais sur Internet. Et surtout, je vais jamais, dans, genre, sur... comment ça s'appelle? Il y a les chaînes de télévision, je vais jamais les voir. Je vais que sur TF1 et les autres, j'y vais pas. Parce qu'ils Donc là, il est snap, en en live. fait. Pour moi, il y a des chaînes qui snap. Après, il y a aussi TPMP, genre, chez Hanouna, ça, c'est nickel. D'ailleurs, c'est une personne, putain, j'aimerais trop le rencontrer, lui. Lui, il dit que des vérités. C'est que des vérités qui sortent. Et il y en a qui, justement, qui n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils suppriment les vidéos des gilets jaunes, nanana. Les médias, ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils savent que nous, on a raison. Ils veulent pas nous donner raison. Ils veulent qu'on se soumette à leur truc. Alors que non. Richie, ok, merci. Richie, Ricky, c'est un ado, hein, c'est ça? Si jamais. Pourquoi pas Bon, aller lui alors parler? comment Ah il faut oui. qu'il me contacte? Il ne pratique pas le gilet jaune, mais il le sent à fond. S'il pourrait le faire, il le ferait. Ah, vous Mon faites père, n'importe lui, vu quoi que les lui mecs, travaille, il peut parce pas. que là vous Après, là, m'avez si pendant les vacances, il entend interrompu, qu'il y a une manif, pas de problème. c'était pas préparé tout ça. Ne vous inquiétez pas qu'il y a toujours des gilets jaunes chez nous. Moi, j'ai le reste des gilets jaunes chez moi en plus. Allez, on va voir s'il répond. Et de toute façon, mes parents, oui, ils sont pour la cause des gilets jaunes à fond aussi. Peut-être moins que moi. Parce que voilà, ils sont plus fatigués que moi, enfin voilà, mais ils sont pour. Moi, j'ai une énergie de malade. Voilà, je vais l'appeler. On va voir s'il me Franchement, répond. notre voix, Prévenez-le parce c'est que le truc là, le meilleur au monde, franchement. vous êtes venu. Notre voix, c'est ce qui compte le plus. Prévenez-le que je vais l'appeler. C'est Ricky qui fait des lives. Oh, ok. Mais essayez de me mettre en contact avec lui. Je vais aussi essayer de ma part de me Bon, mettre bah en c'est contact avec bien, lui. il a l'air prévenu Est-ce alors. qu'il est dans le groupe, Ricky, justement? Parce que ça serait bien, justement. J'aimerais bien lui parler, quoi. Eh bien, c'est bien, Moi, je j'ai vais toujours une t'appeler. question qui. Il est dehors chez toi. Je me suis toujours posé une question, genre, comment se faire connaître? Niveau, justement, des gilets jaunes, je voulais me faire connaître niveau de ça, en fait. Je voulais Bon, voilà, vous passer à la regardez, je vous télé mets à pour l'écran. montrer, Pour moi, genre, ça montrer marque qui je suis, en fait. Genre, injoignable là. montrer que moi, j'ai Il 16 faudrait ans qu'il et je dis regarde. merde. Je dis merde, voilà, je suis réveillé, moi j'ai compris ce qui se passe et je dis merde. À l'état, je Il est dis merde, genre, injoignable dis là. merde. En face de eux, genre, Dites-lui dis de merde, franchement. regarder son Messenger, il y a quelqu'un qui essaie de l'appeler. Vous lui dites que c'est Ouais. moi, c'est Medim Nawar. Pas sûr aujourd'hui, quand même. C'est bizarre quand on choque. Voilà, ça ne marche pas. Bon, bah, je J'essaie vais de le t'appeler. joindre. Mais il va t'appeler. Ah, merci, c'est cool. Eh bien, dis-lui de regarder son Messenger, il y a quelqu'un qui lui a fait un J'aimerais pouce. bien habiter à Paris. Hein. Quand je vous le dis comme Il y a ça, j'aimerais quelqu'un bien. qui lui a fait un pouce, ou alors mettez-lui En plus, là, je suis en vacances pendant un 2 semaines, lien de vous mon inquiétez live pas. qu'il puisse m'écouter. Mettez-lui un Résultat de tous lien les de mon live médias, qu'il puisse a m'écouter. compris TPMP. 95% des médias appartiennent à 8 milliardaires, ouais, c'est beaucoup. Allez, Vous inquiétez mettez-lui un pas, lien de ça mon va aller. live, on va pas y passer la On a de soirée. la force. Coucou. Comme il est chaud. Il vient tout le temps. Désolé pour la petite. Hein. Bon, allez, Le petit chat. vous lui expliquez, Tu as vous entendu? lui mettez un lien de mon live, on va pas y passer la soirée, je vais passer à Julien, autre attention, chose, oui, hein. je sais qu'il faut pas se faire connaître, mais de toute façon, de Il base, un a mis youtubeur que vous ne devez pas sa connaître n'est pas un youtubeur. confidentialité, on peut pas l'appeler. C'est vrai. On va Après, je te s'arrêter comprends. là. On aura Mais vous savez, moi, tenté. j'ai vraiment C'est envie de sympa de montrer qui je votre suis, en fait. part. C'est simple, c'est comme ça. Il vous le J'ai envie que les reconnaîtra. gens, ils me voient et ils se disent, lui, il a raison. Tu y Il est arriveras, motivé, mon il a 16 gars, ans, il faut il sait où il insister. va, quoi. Tu y arriveras. Allez. Voilà, il faut une préparation pour à l'avenir, les amis, hein. Faut pas que ça se fasse comme ça, dans la précipitation, hein. Rien ne se fait jamais dans la précipitation. Allez, on va. Vous m'avez coupé, hein, je ne sais plus sur quel sujet j'étais en train de développer. Ben, on va regarder les lives sur le terrain. Et puis voilà. Hein. La prochaine fois, moi je croyais que mon micro ne marchait pas, hein, de m'interrompre comme ça, de m'alerter. C'est pas bon du tout, hein. Allez, on va regarder ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce live-là, il a été interrompu entre-temps, c'est pas grave. Ah, bah tiens, il y avait quelqu'un de blessé
On va juste regarder ça. Je suis en train de faire un live. Il y a un reporter qui vient voir. Tu es à de Bastille. Tu es à de Bastille. Les accueils. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous regardons, c'était en live, vous voyez bien, c'était une journée, c'était tout à l'heure, mais je vais mettre donc des lives. Ça, c'était pas en live, voilà, les lives là, donc sur ma gauche, c'est Tarbes sur ma gauche. Allez, on va basculer sur les lives. Voilà. Tarbes en live. Alors ça c'est Tarbes. Il y a eu la chorale Tarbaise autour avec donc on les a nassés en fait. À défaut de se faire nasser nous. Et voilà, et ça s'est passé gentiment dans le meilleur des mondes. À Tarbes, bah, c'est pacifique et ça s'est passé bien Voilà. avec les flics. Ici Voilà. c'est Arras. Et là c'est Tarbes. Tarbes, Arras. Ah, je Arras. suis sur la perche. Je vais essayer de vous mettre un bandeau, mais au moins, vous le savez, c'est en live. Hein. C'est en live, c'est des nocturnes. Je vais vous Bah non, mettre t'arrives ça à le à dire, on l'écran. brûle rien. Pourquoi tu veux qu'on brûle? Comme il faut. Il fait bon ici, on n'a pas besoin de se réchauffer. Voilà, et à Tarbes, ben on est là. Bon, papy, qu'est-ce qu'on fait? On va s'accoucher? Ouais, ça va être l'heure là. Hein. On a bien marché ce soir. Ouais. Je sais pas s'il y a des trucs improvisés demain, je sais pas. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura demain, mais en tout cas, je sais qu'on va bien dormir. Hein, on a bien marché aujourd'hui encore. Hein. Alors, papy, tu étais là ce matin? Et ce matin aussi, oui. Et ce matin, vous avez fait quoi comme tour? Un peu pareil avec Oh, RPI main. Ouais. Et après, vous avez fait quoi? Vous êtes reparti vers la La mairie, la préfecture, la totale, préfecture, quoi. comme d'habitude, quoi. Voilà, ok. Ça change pas vraiment. Bon, mais ça te fait une journée à 15-16 km, hein, voilà, ouais, à peu près, tout ça. Ouais, je sais pas si assez à vélo. Il rentre à la maison ou on y va? Un petit groupe, ils vont aller au commissariat, je pense que personne va les suivre. C'est un petit comité. Bon, eh ben on va au comité. On est reparti en fait. Hein. Bon, on est vraiment beaucoup moins, quoi. Tu me l'enverras sur la Ah oui, je t'enverrai la vidéo, je t'en enverrai le lien, ouais. À email. Ouais. Ou sur le site, on va pas la mettre. Je sais pas. Il est mort, le site. Ah ouais.
C'est pour ça alors, d'accord. Les morts, c'est qui, toi ? Ouais. Sinon, tu me l'envoies directement. Hein ? D'accord, je t'enverrai la vidéo. Ah non, papy, il a pas encore sommeil, il est motivé, papy. Il marche. Hein. Papy, il dit, on va le suivre, tiens. On va suivre papy ce soir. Pour la fin de soirée. Ah, j'ai plus que 15% de batterie, mince. Oh, zut alors. Allez, on va brancher la batterie. Excusez-moi, ça doit bouger dans tous les sens. Là, ils vont être désespérés de nous voir. Ils doivent en avoir marre, là. Vous voyez, les gens sont au balcon et puis nous regardent. Il me tarde de le manger, le couscous, putain. En plus, je suis sûr qu'il est trop bon, ce couscous, à ma chérie. Qu'est-ce que je ferais pas pour les gilets jaunes? Oh, mon Dieu. Bon, il va falloir passer à aller dormir quand même, à un moment. Bon, j'espère que c'est le dernier tour qu'on fait quand même. Là, ça commence à en faire des tours. Hein. Ah, elle est là, elle est dans l'eau avec son chapeau de chat. Certainement un dernier tour, une petite pause. Vous voyez, ça se passe dans la bonne ambiance. Hein. C'est, Après, on repart à la préfecture. Hein. Oh non, hein, pas la préfecture, non, pas encore. Hein, oh, c'est bon. Hein, oh. Excusez-moi si ça bouge, j'ai fait tomber la batterie. J'ai mis la batterie externe rien que pour vous. Voilà. Ah, et puis moi je suis doux, voilà, il y a le... On ne sait pas qu'est-ce qu'il en foutra là et là, mais bon.
c'est complice. Police, partout. Excusez-moi, je me touffe. Justice, nulle part. Police, partout. Justice, nulle part. Police, cette mini marée jaune qui est en train de s'infiltrer dans les rues d'Arras. Oui, c'est une manifestation non déclarée apparemment. Alors, il faudrait poser la question. Hein. Vous comptez rester ici jusqu'à quelle heure à peu près ? 6h du mat. Hein ? 6h du mat ? Y'a pas d'heure. Y'a pas d'heure, c'est jusqu'à... Pas d'heure. Épuisement ? Jusqu'à épuisement des forces de l'ordre, hein, bien sûr, apparemment. Voilà, donc pour répondre à ta question, non, il n'y a pas d'heure. Donc voilà, je vous répète, on est à Arras, dans le Pas-de-Calais. Si vous souhaitez rejoindre cette manifestation, moi je reste en direct. Si jamais il y a la moindre coupure, je reprends le direct tout de suite après. Ça ouais, peut arriver malheureusement. Je me parais de signal que c'est la première fois qu'Arras, les portes de l'ordre sont tombées. Et ça se voit. Ça se voit. Ah bah moi, c'est marrant parce que comparé à Lille, je les trouve au contraire ouais, très calmes. Ouais, mais ouais, pour l'instant, mais ils sont tombés. Voilà, donc ça c'est l'heure de la pause apparemment. Bon, mes amis, voilà, me revoilà, je reprends la parole, je vais vous diffuser la vidéo que je vous ai déjà mis, donc là où on voit deux groupes de jeunes s'affronter à Lyon, et je vais vous donner mon avis dessus. En attendant, je vais vous saluer comme il est d'usage à chaque fois dans mes lives, très rapidement, d'ailleurs... J'ai perdu plusieurs messages parce que je suis sorti et re-entré dans l'application Facebook. Donc voilà, je relance tout. Désolé pour ceux qui m'avaient parlé des autres plateformes parce que je diffuse en simultané pour éviter que la censure détruise et efface tout contenu. Par sécurité, je diffuse sur plein de plateformes, donc VK, le Facebook russe, je vous invite vivement à aller dessus, Periscope, qui est lié avec Twitter, un compte de secours YouTube, parce que mon compte principal est interdit de diffusion pendant 90 jours, ce compte Facebook de secours, parce que le compte Facebook principal est bloqué pendant 30 jours, parce que j'ai mis une vidéo tout à fait normale de la femme qui se faisait interpeller, qui se faisait malmener,
et qui se retrouve les fesses à l'air, sans aucune réaction pour la couvrir ou pour la laisser un peu reprendre ses esprits de la part des policiers. On voyait pas ni le visage des policiers ni celui de la femme. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai été bloqué 30 jours. Voilà, j'ai créé ce compte de secours qui petit à petit commence à retrouver donc les mêmes contacts d'avant, mais ça a été difficile. Et donc les autres réseaux, c'est Twitch. Twitch qui est une plateforme pour jeux, donc un public jeune, et c'est tant mieux. Voilà mes chers amis, et je diffuse donc sur des groupes aussi. Allez, est-ce que je vais pouvoir remonter très très loin? Eh bien, Gilbert Chabrol, bonsoir. Marie-Maurice Patigno Moussa, bonsoir. Johanna Duvivier, bonsoir. Annie-Isabelle, bonsoir. Toujours présente. Asm for Life, bonsoir. C'est un nom de compte, hein. Tiens, Stéphane Collin, bonsoir. Bonsoir. Tu es à Tarbes? Tu es à Tarbes, Stéphane Collin. Eh bien, écoute, je suis en train de diffuser justement un live qui nous provient de Tarbes. Bonsoir Stéphane, tu n'hésites pas si tu veux un de ces quatre venir intervenir. Jorgan Richard Horry, le petit encart en bas c'est Arras, hein. C'est pas Arras pour toi, Jorgan? Pour moi c'est Arras. Marie-Maurice, donc je t'ai vu. Oui c'est ça, je t'ai vu. Cindy Goncalves Costa, bonsoir Cindy, comment tu vas? Sunshine Sun, bonsoir mon ami. Kevin Keys, bonsoir mon ami. Richard Debré, bonsoir. Geoffrey Diaz, bonsoir. Felice et Valérie, bonsoir mon ami. Schaffer Sacha, il y a plein de drapeaux allemands et français. Tu dis partager en Allemagne, ensemble, solidarité, gilets jaunes, mais c'est absolument ça. T'as tout compris, Schaffer, bravo. Je signale que même en Serbie, il y a des mouvements gilets jaunes. Je crois que c'est même dans une soixantaine de villes que l'Afrique, il y a plusieurs appels qui se multiplient pour bloquer les ambassades françaises, pour faire un blocage pacifique. Ça bouge pas mal partout, donc et particulièrement donc en France, le monde nous regarde, hein, nous avons une responsabilité collective à nous, le peuple de France, pas ceux qui parlent en notre nom, hein. Cette responsabilité, ils l'ont piétinée pendant des décennies et des siècles, hein. C'est pas ces gens-là. Nous, le peuple de France, nous avons une responsabilité. Et donc, comme je disais au début de ce live, il ne faudra absolument pas s'arrêter à des conneries comme les revendications qu'on voit tous les jours à la télé, l'argent, le pognon, l'évasion fiscale, le fisc, les impôts, l'argent, le pognon, ou alors cette dernière invention en date du manipulateur Étienne Chouard, l'Euric, hein. S'il y avait une forme, encore une fois, de vote qui aurait fonctionné en France et dans ce pays, mais enfin, ça se serait su, hein, si on pouvait gagner lors d'une élection par les urnes, avec une propagande dans les médias corrects, etc. Mais on aurait gagné, le peuple aurait gagné des élections présidentielles, des élections législatives, des élections municipales, des élections régionales, des élections européennes. Vous savez très bien qu'on n'a jamais réussi à placer quelqu'un qui est hors du système, vraiment le peuple, quelqu'un qui n'appartient à rien du tout, et surtout qui n'est pas franc-maçon. Alors pourquoi voulez-vous que l'ERIC, qui consiste à avoir, je crois, 700 000 signatures, peut-être plus, pour évoquer un sujet, pourquoi voulez-vous que le RIC fonctionne là où des élections pour avoir le pouvoir, pour donner le pouvoir, n'ont jamais fonctionné? Donc pour moi, c'est comme dirait l'autre, c'est clair et net.
Alors tiens, je vais me mettre en plein écran parce qu'il y a un live qui a été perdu. Vous savez, c'est les coupures à cause des brouilleurs, hein. Les brouilleurs donc des ondes. Je suis seul ici, mes chers amis, donc je fais ce que je peux. Voilà. Moi, je ne suis pas à Tarbes, donc on va enlever Tarbes. Hop. On va enlever Tarbes. Ta ta ta. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et si vous voulez que la police et d'autres corps nous rejoignent, il faut vraiment qu'ils aient l'assurance qu'on ne s'arrêtera pas aux premières annonces, aux premières soi-disant reculades du pouvoir et du gouvernement. Il faut aller jusqu'au bout, il faut assainir toutes les institutions, il faut faire respecter, s'il le faut par la force, la laïcité dans ce pays. Il n'est pas normal que la franc-maçonnerie puisse avoir autant de monde dans autant d'institutions, et c'est phénoménal. L'Assemblée nationale est coloriée en francs-maçons, le pouvoir, les ministres, les gouvernements, les présidents, c'est absolument ahurissant. Les merdias, les juges, les magistrats sont tous francs-maçons, il n'y a pas de justice dans ce pays, vous le voyez avec les gilets jaunes. Il y a des gens, franchement, là où ils mériteraient juste un petit rappel à l'ordre, on les envoie immédiatement en prison ferme pour avoir porté un masque pour... Enfin, vous imaginez, même pas, il y en a qui n'ont rien fait. Il y a ce malheureux Abdel Zahiri, si je me trompe pas sur son nom, qui est pour 4 mois, qui est parti pour 4 mois ferme, même pas il a eu le temps de dire au revoir à sa femme, pour avoir simplement voulu porter plainte contre Luc Ferry pour ses propos qui incitent clairement à la haine et à la guerre civile. Voilà la justice de votre pays, de notre pays. Elle est là, la justice, pour ceux qui ne savaient pas. Moi, je suis un vieux routard, je la connais. Mon casier judiciaire est vierge, je le précise. Encore, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais je me bats pour voir mes enfants que je ne vois pas. Et je sais très bien que la justice est totalement corrompue. C'est uniquement des services rendus entre francs-maçons, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et ben c'est très bien, les gilets jaunes vous ont aidé à vous interroger, hein, vous voyez la main ferme judiciaire contre des gens, franchement, qui bien souvent étaient là et qui ont dit qu'ils n'ont rien fait, on ne veut pas les croire, c'est pour empêcher les gens de manifester, pour leur faire peur, et de l'autre côté, vous avez une exagération à chaque fois que on parle de police, il y a une exagération dans ce que la police aurait eu à subir, alors qu'on voit bien l'ampleur des blessures gravissimes du côté des manifestants. Là, même aujourd'hui même, une main arrachée, je vous ai mis la vidéo, vraiment elle est très très choquante, hein. On voit les yeux éborgnés, les blessures graves, les morts, hein. Et du côté des forces de l'ordre, fort heureusement, hein, on ne va pas non plus demander à ce qu'ils se fassent déchiqueter. Il n'y a pas eu, hein, de blessures de cette gravité. Alors pourquoi, enfin, moi j'ai ma réponse, hein, mais pourquoi les merdias et le pouvoir s'acharnent-ils à mettre sur le même piédestal les blessures d'un côté comme de l'autre? Pourquoi n'est-il pas... plus juste, n'est-il pas plus simple de dire que les blessures les plus graves, les plus handicapantes, les plus scandaleuses sont quand même du côté des manifestants, et les blessures les plus légères sont du côté des forces de l'ordre? Et encore une fois, tant mieux, hein, je veux dire, on va pas demander à ce que des deux côtés ce soit des blessures gravissimes, qui est autant le double d'yeux d'œil éborgné, le double de bras arrachés, le double
Voilà, ce n'est pas la question. Mais il s'agit d'appeler un chat, de le nommer un chat. Hein, c'est tout. Hein. Il s'agit d'arrêter avec cette hypocrisie, ce double langage, cette manipulation, cette duplicité qui est propre à la franc-maçonnerie. Hein. Bon, alors mes chers amis, on va faire l'analyse que je vous ai promis. Alors, Asm for Life, tu me poses une question. Bien entendu, ça doit être la première fois que tu viens sur mon live, à laquelle je réponds souvent, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'être bref, même si c'est une question qui demande beaucoup de temps. D'après moi, tu dis, penses-tu qu'en continuant à manifester à force, on va réussir? Et si oui, comment, d'après toi, comment cela va-t-il se passer? Alors, il y a une stratégie à mettre en place. La stratégie, elle est un peu longue à expliquer, mais pour faire simplement les grandes lignes, s'il y a un endroit là où il faut aller, c'est les merdias. C'est le point fort et aussi en même temps le point faible du système. Donc il faut aller ceinturer pacifiquement les merdias, en priorité les personnes les plus âgées, les personnes handicapées qui de toute façon voulaient manifester. Pour en quelque sorte faire bugger le système, gripper le système judiciaire et policier, vu que eux, de toute façon, ils ne vous laisseront pas rester sur place, occuper le terrain. Ils enverront, comme on a vu plein de fois, des bus pour remplir les manifestants et les emmener donc dans les commissariats, et puis après des comparutions immédiates, ou alors juste le fait de vous déplacer, de vous faire perdre 4 heures, une journée comme ça dans l'administratif et dans les commissariats, rien que ça, ça vous décourage et ça vide les places à vider. Donc là c'était devant les merdias, bah, ça vide le terrain. Bon, et ben s'il y a tout le monde qui y va. Et si en priorité c'est les personnes âgées, les personnes retraitées, les personnes handicapées, eh bien ces personnes-là éviteraient ces places de garde à vue, ces places dans les commissariats, ces places peut-être dans les préventives dans les prisons, aux plus jeunes, ce qui permettrait aux plus jeunes de continuer à filmer. Et le but, c'est de filmer, donc il y a plein de gens qui le font, hein, mais ils sont seuls, c'est de filmer les entrées-sorties des merdias. Donc on va voir les manipulateurs, et les manipulateurs, vu qu'ils cherchent la célébrité, je veux dire, ils peuvent pas s'en plaindre, hein, c'est juste qu'on va les filmer, hein, vous verrez, hein, ils n'emmènent pas large. Et puis on leur pose des questions aussi, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour poser des questions dans la rue à quelqu'un qui a choisi d'être de notoriété publique, un personnage public, une célébrité, appelez ça comme vous voulez. Donc ils peuvent pas se plaindre, ils peuvent pas dire non, mais moi je veux dire c'est ma vie privée. Ils vont dans des merdias pour se montrer, pour s'exprimer. Ça ne tiendra pas devant, je veux dire, une juridiction non corrompue, ça ne tiendra pas. Qui disent j'étais en train d'emmener ma fille à l'école, ou je partais voir mon médecin, ou aller faire mon marché, et là il y a des personnes qui m'ont filmé, qui m'ont interrogé, ça ne tiendra pas. Donc voilà, le but c'est ça, c'est d'aller en masse filmer, assiéger les merdias, n'emmerder personne, mais leur dire voilà, on est là, on sait ce que vous faites, on a ouvert les yeux, de filmer comme j'ai expliqué, de poser des questions, et rien que ça, c'est le début de la victoire. Donc après, il s'agit de négocier un temps d'antenne, et après, bon ben, c'est en ayant la parole, on ouvrira progressivement les yeux au peuple qui est majoritairement non éveillé. Et plus le peuple s'éveille, et plus on gagne en nombre, et nous, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'argent, on n'a pas les armes, on n'a rien de tout ça, mais nous avons le nombre. Donc plus on va gagner en nombre, et plus bon ben, plus la révolution aura du succès et aboutira. Alors l'idée avec les samedis jeunes, c'est d'arriver... regardez là, j'entends la pluie, c'est épouvantable. Depuis le 17 novembre,
que des samedis pourris depuis le 17 novembre. Alors, je présume peut-être que demain, parce que c'est arrivé précédemment, un dimanche radieux, hein, c'est bizarre, hein. On a eu des jeudis magnifiques, des mardis, souvent les dimanches, hein, parce qu'il y a tout qui tombe, pooh, tout qui tombe le samedi, le dimanche, il n'y a plus rien, c'est grand soleil, le ciel est déchargé. Donc j'imagine qu'ils ne pourront pas faire ce jeu avec Harp jusqu'en plein été. Donc le but c'est d'arriver, en plus de traverser les élections européennes, et d'arriver au mois de mai. Parce que c'est mai 68, bah, ça sera mai 2019. D'arriver en tout cas dans les météos les plus clémente et le plus propice à ce que tout le monde sorte en masse dans les rues pour occuper le terrain, parce qu'il s'agira ensuite d'occuper des places, hein. Là on fait des samedis jaunes, etc. Mais l'idée c'est qu'ensuite après c'est d'occuper, de prendre le terrain, particulièrement devant les médias. Mais voilà, il s'agira de ça. Et lorsque vous avez un beau temps, un temps printanier, voire estival, bon ben c'est facile après, hein. C'est festif, on a envie d'être tous ensemble, et puis comme vous voyez là, les nocturnes deviennent prisées, tout le monde veut faire des nuits blanches entre gilets jaunes, conviviales, voilà, l'idée elle est là. Je rappelle que les guerres et les combats et les révolutions, et appelez ça comme vous voulez, ne se gagnent pas à coups de tête nucléaire, hein. Ça se gagne avec l'opinion, ça se gagne en politique, avec de la politique, ça se gagne avec l'opinion. Si vous arrivez à convaincre le peuple que son intérêt n'est pas avec ses tyrans, mais c'est en arrivant à être solidaire entre lui-même, à s'unir, même si il y a quelques, je veux dire, divergences, quelques différences, eh bien c'en est fini, parce que les tyrans, c'est une petite poignée, hein, ils sont très très peu en nombre, hein. Mais ils ont un pouvoir très étendu, pourquoi? Parce que eux, même s'ils sont très inférieurs en nombre, eux au moins ils sont organisés, alors que nous, la masse totale, la masse supérieure, on est en supérieur, très extrêmement supérieur en nombre, mais on est complètement explosé, complètement isolés chacun, grâce à plusieurs leviers qui sont utilisés contre nous, entre autres principalement le levier de la justice familiale, qui ne fait que déséquilibrer des situations, déséquilibrer des jugements, les outils de complot contre la famille, que ce soit l'école, les produits culturels, le cinéma, la télé, les artistes, la musique, tout est fait pour monter les enfants contre les parents, les femmes contre les hommes contre les femmes, hein, ça marche dans les deux sens, les frères contre les sœurs contre les frères, les voisins, les employés les uns contre les autres, tout est fait pour installer cette permanence guéguerre intestine dans le peuple, et pour que le peuple ne soit jamais fort, soudé, uni, solidaire. Voilà mes chers amis, bon là je pense que on va s'arrêter là, je ne vais plus lire vos questions, je vais plutôt alors vous mettre ce que je vous avais dit. Bonsoir Samir Sam, Rical, je crois que je t'ai vu, bonsoir. Alors, quelle issue? Tu me dis merci de prendre du temps pour me répondre, mais quelle issue vois-tu la démission de Macron? Et tu me dis que tu regardes pas mes lives, mais parce que ils sont... tu regardes mes rediffs. Ben, merci beaucoup. Donc tu connais mon discours. Les issues, la démission de Macron, mais je veux dire, c'est pas une issue ça. C'est que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, le RIC n'est pas une issue, le je ne sais pas moi, les autres revendications, le pouvoir d'achat n'est pas une issue, l'ISF n'est pas une issue.
toutes ces revendications qu'on voit relayées par les médias et par ceux que, putain, qu'on nous impose comme représentants ne sont pas des issues. Hein, les issues, moi je les liste dans toutes mes publications, mais les issues, il faut tenir compte de tout. D'abord, notre liberté, il n'y a pas de concession sur notre liberté, hein, et qu'ils arrêtent leur comédie. Nous voulons l'arrêt de l'école idéologique, nous voulons que l'école serve uniquement à transmettre le savoir, nous voulons redonner le pouvoir aux parents, nous voulons des réponses claires, avec études contradictoires, et même s'il le faut, plusieurs études avant la mise en place des vaccins. Donc là, on arrête avec cette histoire de vaccins. Nous voulons des réponses claires sur les vaccins. La liste est longue, hein. Nous voulons la mise en place d'un revenu universel, hein. Je l'ai expliqué, le revenu universel, ça ne coûtera pas un centime. Tiens, là, je vais regarder, parce que la liste est très longue, hein. Donc, il faut, et ça c'est primordial, donc ça répond à ta question par rapport à Macron. Macron, ce n'est qu'une personne. Il y a des dizaines et des centaines de personnes qui tiennent toutes nos institutions et la magistrature, les gradés de la police, les gradés de la gendarmerie, les gradés dans notre armée, les médias, les politiques, le pouvoir législatif, les députés, enfin tout ce système-là est trusté, est dominé, gangréné par la franc-maçonnerie. Ceci doit s'arrêter, hein, parce qu'il y a tout simplement une loi qu'on nous rabâche en permanence, la loi 1905 concernant la laïcité, qui interdit que ce soit une religion, un lobby ou une organisation ou peu importe de gens, de personnes organisées qui détiennent comme ça, comme c'est le cas actuellement, tous les pouvoirs de notre pays. Ce n'est pas possible. Donc voilà, ça, si on arrive à réunir toutes ces revendications et qu'on les mette en place, effectivement, ça c'est une issue. Mais ben, que Macron démissionne, c'est pas une issue, ça. Il peut démissionner. Il y en a 300 comme lui qui sont déjà prêts à prendre la relève. Hein. On va pas enlever Paul pour mettre Jacques. Et Larcher, qui lui, mécaniquement, c'est la Constitution qui le dit, prendra la place de Macron. Larcher est pire que Macron. Larcher, je veux dire, il a beaucoup plus, déjà il est plus âgé, donc il a beaucoup plus d'années de manipulation à son actif. On va pas prendre, voilà. Il y a les placements abusifs d'enfants, je veux dire, pourquoi c'est tabou ces sujets-là? C'est insupportable. Il faut qu'on reprenne nos médias, il faut qu'on reprenne l'information en main. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a tellement de choses. L'âge du consentement sexuel des enfants, pourquoi il a été autant abaissé, c'est ignoble. D'ailleurs, j'ai des vidéos là-dessus. Là, je pourrais pas tout passer ce soir. Hein. Il y a des situations insupportables. Les guerres. Comment peut-on continuer ainsi à jouer cette hypocrisie dans les médias? Et même de la part de ceux qui nous représentent, les gilets jaunes qui nous représentent, pour éviter je veux dire, cette forêt qui brûle, qui s'appelle les guerres que nous sommes en train de mener partout dans le monde, et pour te botter à chaque fois en touche, faire comme si on ne voyait pas. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je veux dire, combien de fois il faudrait que je le dise? Et tous les soirs, je le répéterai, ça sera jamais assez. Il y a des guerres sur plein de théâtres, on tue des gens, soi-disant quand on va les aider, c'est uniquement pour aller piquer de l'uranium gratos, de l'essence gratos, c'est pour installer des gens obéissants à la franc-maçonnerie française, des francs-maçons africains. Oui, la franc-maçonnerie, elle est planétaire. Peut-être même que ce soir, je rediffuserai le documentaire que je diffuse souvent sur la franc-maçonnerie. Donc, les guerres, c'est insupportable, ça coûte des milliards, ça tue non seulement des fois nos militaires, mais ça nous coûte des soi-disant attentats, mais c'est, je veux dire, c'est un engrenage dans lequel le peuple n'a absolument strictement aucun intérêt. Pourquoi continuer?
Et en plus, un autre nom. Et là, on leur dit que vous ne nous représentez pas. On en a marre de vous, on leur dit. Mais ça n'empêche, ils continuent quand même leur guerre, leur plan. Et ils soutiennent un coup d'État actuellement au Venezuela. Enfin, vous imaginez, il y a un président, comme en Libye, il y avait un président, comme en Irak, il y avait un président, et comme ils ont essayé de faire en Syrie, ils n'ont pas réussi, mais ils n'ont jamais cessé de faire ça, de déstabiliser des présidents en disant, là, finalement, et alors ils disent démocratie, démocratie, là, Macron, il dit, mais c'est pas possible, j'ai été élu, et bien c'est pareil, il y a des élections, et lorsque ça plaît pas donc aux francs-maçons, à nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, finalement, moi, j'ai mieux que celui que le peuple a choisi, j'ai celui-là. Celui-là, il est mieux, et moi, je le reconnais lui, je reconnais pas celui qui a été élu démocratiquement. Ça s'est passé de la même manière en Ukraine. Comment peut-on accepter que cela continue? En Ukraine, un président élu s'est retrouvé, là, ils ont mis le président choisi par l'Europe. Mais comment est-ce possible, ça? Ils ont essayé de faire la même chose en Turquie, et heureusement, ils ont échoué. Hein, ils ont voulu, mais ah, Erdogan, il n'est pas sympa, mais il est élu, et il est élu avec il est élu avec un nombre de voix supérieur, largement supérieur aux élections de tous les présidents en France. Supérieur. Macron, il devrait s'incliner devant Erdogan, devant Poutine. Regardez leurs chiffres à eux. C'est insupportable. Donc bon, je pense que j'espère t'avoir répondu. Allez, on va se contenter. On va avancer, les amis. Isia Obscure, bonsoir. Kalenia Aquila Tara Z, bonsoir. Messon Machone, bonsoir. Wafa Idriss, bonsoir. Parfaitement, je suis d'accord avec toi, Wafa Idriss. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité, il n'y aura pas de changement de solidarité dans le peuple. Jeremy Lester, tu trouves que Macron, c'est un anagramme de monarque MK Ultra? Eh bien, pourquoi pas. Felice, Valérie, bonsoir. Qui d'autre? Pat Patou, bonsoir. Sunshine Sun, je t'ai vu, bonsoir. Qui d'autre? J. Trictan, bonsoir. Voilà, Richard Debré, bonsoir. Allez, je vais vous mettre donc la vidéo que je vous ai mis sur mon profil. Je vais pas mettre la main arrachée, parce que celle-là aussi je l'ai mis sur mon profil, parce que ça sert à rien de regarder encore ces images. Par contre, je vais vous mettre ce qui s'est passé à Lyon. Je vais vous mettre ce qui s'est passé à Lyon. Et donc, parce que j'ai eu des questions là-dessus, et après je vais vous donner mon avis. Allez, on regarde. Thank you.
Wow, c'est dangereux là. C'est dangereux. Oh, merci. Oh, c'est super dangereux leur truc là. Une énorme bagarre les amis. C'est n'importe quoi. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est des antifa, des extrêmes. Ah putain, ils sont cons. C'est une guerre civile quoi les amis. Guerre civile, c'est n'importe quoi. Attendez, je vais chercher. Tu veux pas baisser la grille? Non, c'est putain. Putain, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Putain, les amis, là, il se passe un truc incroyable. Il y a une putain de bagarre. J'ai jamais vu, les gars, j'ai jamais vu ça. Ils vont se tuer, Ils vont se tuer. C'est n'importe quoi. Ils sont cons, quoi. Putain, mais j'ai mes potes derrière, là. Arrêtez. Putain, c'est la honte, hein. C'est vraiment honteux ce qui se passe. Putain, les gars, ils sont cons, Il va y avoir un mort, il va y avoir un mort là, je le dis. S'il n'y a pas un mort, on a de la chance. Putain. Les gars, on est à Lyon, pour ceux qui se demandent, je sais que vous êtes nombreux à regarder. Ah voilà, c'est la guerre. C'est la guerre à Lyon. On est enfermé dans un magasin qui nous a ouvert vraiment gentiment. Mais là, franchement, c'est la honte. J'ai honte. Comment c'est possible des choses comme ça? Comment c'est possible? Il y a eu une énorme bagarre. À Lyon. Cours Lafayette. C'est vraiment grave. Franchement, les amis, même moi, je suis choqué. Je suis sous choc. Il y a une énorme bagarre. Il y a 100, 200 personnes qui se battent. C'est la honte. Partagez, il faut que les gens y voient ces bouffons ce qu'ils font. C'est des abrutis. C'est la honte. La honte, voilà. Voilà les amis, voilà. Voilà ce que c'est. Malheureusement, c'est triste. On est là pour se battre pour le même combat et on se retrouve à se battre entre nous comme des bouffons. C'est la honte. Et là, ça va, c'est n'importe quoi. Non mais regardez ça. Non mais regardez s'il vous plaît la haine qu'ils ont entre eux. Ces abrutis, ils se battent entre eux. Les gars, il faut partager, on est à Lyon. C'est pas possible ça. Franchement les gars, j'ai honte. Je le dis, j'ai honte. Mais regardez, ils ont des armes. Apparemment, ils ont des armes. Ils sont où les mecs? Attends. J'ai pas la clé moi, je suis... Oh, ils sont où mes potes? Putain. Ils sont là les médics? Ils sont où les médics gros? C'est la honte, regardez les gars. S'il vous plaît, ça va recommencer. Ça va. Les gars, là c'est dangereux. Hein. C'est vraiment dangereux. Et franchement, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Première fois. Tu peux sortir ou pas? Tu peux partir par l'arrière ou pas? T'as rien à... Oh, putain. Et là, j'ai mes potes qui me disent sortez pas. Oh là là. Oh les gars, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une guerre civile. Oh là là, putain, c'est grave. Franchement, j'en tremble. Je suis tellement choqué, j'en tremble. C'est grave, hein. C'est d'une tristesse. Oh là là! Donc mes chers amis, alors, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, les messages à la fin, c'est Black Bloc Antifa.
Black, bloc, antifa. C'est en gros, écoutez, nous sommes les black blocs et contre les antifa. Ou avec, ou peu importe. Déjà, ça devrait vous donner une indication sur ce que je vais vous dire ensuite. Pour moi, c'est clair et net. C'est une orchestration supplémentaire de l'État. On s'attendait tous donc à un événement majeur, comme ils nous ont habitués pour chaque samedi, des fois avant, et des fois le samedi même, souvent le samedi même. Après la boulangerie, vous avez vu jusqu'où ils sont partis. Hein. Après la boulangerie qui a explosé avec une scène d'une telle terreur en plein Paris. Après le chalet qui a pris un feu dans une station de ski. Après la scène incroyable du boxeur qui arrive tranquille à boxer. Et puis ensuite faire un petit tour, passer devant, derrière, à mettre des coups de pied, puis ensuite faire un petit tour, et puis à rentrer chez lui tranquille, les mains dans les poches. Voilà, c'est normal. Après l'attentat de Strasbourg, bon, vous avez vu, il faut toujours quelque chose chaque samedi, parce que vous imaginez, si aujourd'hui il n'y avait rien de tout ça, s'il n'y avait pas de voiture cramée, il aurait fallu certainement parler de la main arraché et du succès de la mobilisation, du succès national qui contredit toutes les analyses des pseudo-experts qui disaient que le mouvement s'essoufflait, qu'il baissait, qu'il était fini, qu'il était mort, que ça y est, les gens aimaient bien le débat, le grand débat de Macron, et etc., etc., etc. Bon, pour moi, c'est orchestré. Alors effectivement, vous savez, les méthodes de la franc-maçonnerie, des services secrets, des services de l'État, de la police politique, ça n'a jamais été de mettre tout le monde dans la combine. Ça ne marcherait pas ainsi. Hein. Vous savez, si il y a un dicton qui dit « un secret partagé par plus de deux personnes n'est plus un secret ». Donc ça, la majorité de ces personnes sont emmenées, sont manipulés, sont instrumentalisés, mais derrière, il y a des agitateurs professionnels qui, eux, ont organisé ce soi-disant affrontement. Alors, si vous regardez bien, si vous prenez le temps après de regarder une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième fois, vous verrez qu'il ne se passe rien de bien méchant. Vous avez des gens qui s'agitent avec des drapeaux, hein. C'est ça, que quand l'autre il dit dans le magasin, d'ailleurs lui-même je le soupçonne, il n'était pas là par hasard, parce qu'il n'y a qu'à entendre ce qu'il est en train de dire, il est en train de démolir les gilets jaunes, hein. Il est bête au point de ne jamais se dire que n'importe qui peut mettre un gilet jaune et que ces gens-là ne sont pas représentatifs du coup d'un quelconque mouvement. Il suffit pas de mettre un gilet jaune pour salir ou blanchir les gilets jaunes. Donc si vous écoutez la personne qui filme, elle dit « Oh là là, les gilets jaunes, c'est une catastrophe, ça n'a jamais été comme ça, là c'est fini, les gilets jaunes c'est fini, etc. » C'est que des propos, dénigrants du mouvement. Il cible pas, il dit pas c'est quoi ces jeunes, c'est quoi ces black blocs, c'est quoi ces groupes, c'est honteux ce qu'ils font. Il dit « gilets jaunes », c'est quoi le gilet jaune, qu'est-ce que c'est que ces gilets jaunes, etc. D'une part, d'autre part, lorsque vous observez bien, vous verrez que au final, ça ressemble plus à une agitation, plutôt une orchestration un peu agitée, parce qu'effectivement, je vous le répète, tout le monde ne peut pas être dans la combine, mais d'avoir des gens qui crient ensemble. Black bloc, Antifa, Black bloc, Antifa. Vous voyez bien le message qu'on essaye de vous passer. Arrêtez avec Noah, arrêtez, on va pas se chercher toute la soirée. Donc, par rapport à ça, pour moi, c'est une évidence, c'est une manipulation de plus, comme ça a été le cas pour le boxeur, comme ça a été le cas
plein de fois et ça n'arrêtera pas, hein, c'est leur méthode. Hein. Autre chose qui devrait donc confirmer mes propos, c'est le fait que quand vous regardez bien, comme par hasard, alors que le mouvement Gilets jaunes, nous le savons, il y a de tout dedans, des jeunes, des personnes moins jeunes, des femmes, des hommes, comment ça se fait que là, c'est uniquement masculin et très très jeune en âge. Comment se fait-il que ça dure autant la scène et qu'on voit pas un seul policier? Donc, voyez bien, on sait très bien qu'à chaque fois que la police, on lui demande intentionnellement d'aller faire un tour ailleurs ou sur des attentats, qu'on demande aux militaires de ranger leurs armes et d'attendre, etc., on voit bien que derrière, il y a quelque chose qui est organisé par un haut niveau, au niveau de l'État, etc. Donc là, même il se barre gentiment, rien, tranquille, pas un seul policier, on entend des grenades exploser, on comprend pas d'où ça vient, on voit vraiment pas de policiers là-dedans. Donc voilà, pour moi, orchestration, 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 les voitures incendiées, hein, avec les messages, là, tout à l'heure je regardais, d'ailleurs je vais vous montrer la vidéo, la voiture incendiée, une voiture de luxe, et écrit dessus ISF. Je veux dire, voilà, je te signe pourquoi j'ai incendié ta voiture, hein, c'est pas... parce que par exemple, pour que tu touches l'assurance, ou parce que je ne sais pas, parce que je suis anarchiste, j'ai incendié cette voiture parce que je suis contre les riches, je suis contre l'ISF, et donc voilà, le discours il est là. Vous avez vu déjà quelqu'un incendier une voiture et prendre le temps de mettre une inscription là-dessus? Enfin, je veux dire, il faut être complètement dingue. Hein. Bon. Les indices sont multiples, hein. Cette technique de mettre le feu, le bazar et surtout le feu aux bagnoles de luxe, etc., elle a été utilisée lorsque le pouvoir voulait éteindre la manifestation pour tous, la manif pour tous, qui contestait le mariage pour tous, le mariage homosexuel. Ils ont utilisé, d'ailleurs même, c'est des techniques qui ressortent dans le livre d'un certain Buisson, qui était donc conseiller de Nicolas Sarkozy. Il faut voir le livre dans lequel il relate tout ce qui se disait avec Sarkozy. Il a des enregistrements, donc on ne peut mettre sa parole en doute. Et donc il dit clairement que Sarkozy se amenait donc pour étouffer les mouvements, amener de 200 jeunes particulièrement bien choisis, donc d'origine étrangère, des noirs, des arabes, des cités, pour foutre le bazar. Et donc voilà, c'est la méthode de Sarkozy, c'est la méthode de Hollande, et c'est la méthode de tout le temps, de la police, de la franc-maçonnerie. Donc voilà. C'est, comprenez, pour cet acte 13, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire d'un côté on a un succès absolu, et un refus de suivre les indications des médias, des politiques, et des organisations syndicales qui appellent, et des représentants des Gilets jaunes, hein, ils ont été désavoués. Les représentants des Gilets jaunes qui ont appelé à la grève générale illimitée, ils ont été désavoués. Donc voilà. D'une part, on a ce succès-là, et d'autre part, on a un pouvoir, un État, des services de l'État, la police politique, qui a tenté de changer de stratégie, c'est-à-dire qu'on n'a plus vu la police se mettre en avant, prendre des risques, bastonner, etc., tirer, etc. On a vu une police qui était complètement invisible. On se demande où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui, hein, pour que des voitures brûlent comme ça, pour que cette scène qui a duré au moins 5 bonnes minutes en plein Lyon, dans une
Comment est-ce possible que les policiers n'ont pas pu les nasser, hein, parce qu'on voit que c'est une rue en plus, hein. Regardez. Comment est-ce possible que alors qu'ils nassent pour un oui ou pour un non des gens, comment est-ce possible qu'ils les ont pas pris en tenaille ici? Regardez, ils étaient tous là, ils étaient coincés là, dans la rue. Comment est-ce possible qu'ils les ont pas pris en tenaille, hein? C'était assez facile d'encercler ce monde et de les embarquer tous, hein. Là, vous aviez, je sais pas moi, si on croit à ce qu'ils sont en train de scander, ça veut dire qu'ils Black Bloc, Antifa, et ben là, vous aviez 50 Black Blocs, 50 Antifa, facile à interpeller pour un pouvoir qui dit tout le temps que c'est les pires de tout et qu'il est en train de nous protéger de ces gens-là. Ah bah là, c'est une occasion ratée, hein. Je veux dire, on a les services de l'État les plus nuls au monde. C'est-à-dire que c'est des services qui sont pas capables d'empêcher des attentats. C'est des services qui sont pas capables d'empêcher une augmentation exponentielle du viol et des agressions sexuelles en France. Tous les ans, c'est pire que l'année précédente. Ça s'améliore jamais, même ça se stabilise jamais. Non, il y en a toujours encore plus tous les ans. On nous apprend que ça a augmenté de 20%. Les plaintes, ça explose. On a un pouvoir, et excusez-moi du terme, mais si on en croit ce qu'ils disent, mais une police nulle des services secrets, nulle des services de renseignement, extrêmement nulle. Je veux dire, une armée archi nulle. C'est incapable d'intervenir là où il faut, capable juste d'aller interpeller des gens parce qu'ils avaient des lunettes de piscine ou vouloir manifester pacifiquement, mais incapable là, regardez, vous avez les ennemis absolus présentés par les médias, par les politiques, etc. Vous avez. Ils sont là, ils sont dans une espèce de petite rue, hein. Ils font ce qu'ils veulent, aucun policier en vue, il n'y a pas de service de l'État, rien. C'est clair et net, hein. Allez, je vais vous montrer alors quelques vidéos, mes chers amis, parce que si je commence à vous lire. Voilà, c'est une police politique. Si je commence à vous lire. Je vais m'étaler, je vais vous passer les informations que je voulais vous passer, mes chers amis, comme ça on avance vite. Allez. Les informations que je voulais vous passer, alors qu'est-ce que je vous ai préparé? Voilà, alors on va regarder cette vidéo. C'était en plein Paris aujourd'hui. Allez, on va regarder ça. En plein Paris, regardez. Et je vous prépare la suite. Regardez un peu ça.
Voilà, ça c'était pour Paris. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment un policier donc s'est énervé lors de cet acte 13 et a visé avec un LBD 40 un manifestant. Il a visé au niveau du visage. Allez, on regarde cette vidéo. Hop. Alors, je vais vous faire un enchaînement de vidéos, on va aller vite, hein. Voilà, vous avez vu, hein, les arrêts, c'était fait exprès, les arrêts. C'est pour vous. Vous avez vu comment ils visaient, hein. Ils visaient. Ces gens-là n'ont peur de rien. Donc, concernant donc la blessure grave à la main arrachée, regardez ce ralentissement. Regardez ce ralentissement qui donne un éclaircissement. Là, il y a la grenade au sol. Il s'approche de la grenade. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Donc il s'abaisse pour la ramasser. Alors, je vais vous la remettre. Là, il y a la grenade au sol. Et donc là, suivez par ici à gauche. Voilà, là, regardez, c'est lui là. Il s'abaisse pour la ramasser. Là, elle explose. Vous avez vu? Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc là, on va regarder ces images spectaculaires. C'est une manifestante qui évite de justesse de se faire renverser donc par les motards de la police. On regarde. Allez.
Ah, pardon, 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 je viens de me rendre compte. En même temps, vous faites des têtes pas contentes pour me passer quelqu'un au bout du fil, et du coup, je fais plus attention à ce que vous me dites. Alors là, je vous parlais, tiens, je vous mets ça à l'écran, comme ça, vous vous rendez compte. Regardez ce député La République En Marche, le culot qu'il a, le culot qu'il a. Regardez ce qu'il a affirmé. Regardez. Un manifestant. Un black bloc, pas vraiment photographe. Un incident, une attaque de l'Assemblée nationale. Une main arrachée. Deux doigts, immédiatement pris en charge par nos pompiers, exposés depuis des semaines. Les mots ont un sens, les actes aussi. Assez. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur mon profil, ou ailleurs si vous voulez, mais elle est sur mon profil. Pour voir que le pauvre manifestant, enfin, c'est extrêmement choquant, l'état de sa main, hein, il avait plus de main à la fin, hein, c'est extrêmement choquant. Et donc voilà, là, une main arrachée, deux doigts immédiatement pris en charge par nos pompiers exposés depuis des semaines. Hein, toujours ce double jeu, je passe de la crème aux pompiers, je passe de la crème aux policiers. C'est comme ils font aussi avec femmes et hommes, hein. Je feins défendre les femmes. Voilà. C'est une honte. Et ce député a vraiment de la merde dans les yeux, hein. Insupportable, manipulateur. Allez, on continue. Désolé pour le micro. Manipulateur. Allez. Et on va regarder cette scène où donc il y a eu un casseur qui a été repoussé visiblement par un street medic contre vous savez, le véhicule de Vigipirate qui a brûlé. On a la vidéo, on va regarder la vidéo. On va essayer d'analyser, hein. Allez, c'est parti. Ça confirme ce que je disais, hein, c'est que là, je veux dire, les rues ont été désertées et ce samedi a été déserté par les forces de l'ordre. Enfin, je veux dire, on dirait qu'ils voulaient que ça se passe mal. Et aidé en plus par des gens grimés. Donc voilà. Ça confirme mes doutes, ça confirme ce que je vous dis. C'est que il y a beaucoup d'orchestration, il y a beaucoup de manipulation. Le message pour ce samedi, hein, c'est le message, c'est que les gilets jaunes, c'est des casseurs. Regardez l'épreuve, l'épreuve, l'épreuve. Les gilets jaunes, c'est des black blocs. Les gilets jaunes, c'est des antifas. Voilà, le message, il est là. Allez, on regarde. Donc, c'était à Montpellier. Des feux d'artifice jetés au passage Les forces de l'ordre avancent sur les mêmes. De la police. On regarde ça. À Montpellier. Les forces de l'ordre avancent sur les manifestants. Putain. Donc voilà pour cette vidéo-là. Ensuite, c'était à Arras. Je vous avais mis tout à l'heure donc un bout. On va quand même regarder à nouveau un bout de Arras. Ah,
Ouais, nous sommes à Arras, ouais. J'ai encore oublié mon micro. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Donc, Chris David, tu es d'accord avec moi, c'est de la mise en scène. Sirius Galactica, bonsoir. Tu dis les Antifa, Bobo et les identitaires sionistes sont les faces d'une même pièce. Mais effectivement, derrière tout ce monde-là, il y a toujours les mêmes. Les francs-maçons, la police politique, les services secrets, hein, enfin, c'est tout ce monde-là, c'est les mêmes personnes. La franc-maçonnerie détient tous les services secrets dans le monde, hein, pour faire simple. Hein. Et puis, bon, bah, nous utilisons le mot sioniste et sionisme parce que nous différencions et nous faisons la différence entre les juifs et les manipulateurs donc d'extrême droite, ce qu'on appelle les sionistes, qui ne sont pas uniquement juifs, hein, qui sont francs-maçons, qui sont... Il y a plusieurs dénominations. Hein. Mais voilà, nous préférons, donc c'est pour ça que vous allez voir tout le temps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le mot, les juifs sont malheureusement prisonniers comme nous, de ce qui leur arrive, de ce qui nous arrive. C'est à peu près comme les musulmans qui sont obligés de supporter qu'on les représente par des gens incapables, corrompus, hein, barbares, des gens manipulateurs, hein, qu'on exhibe, que ce soit les chefs terroristes ou ailleurs, que ce soit les soi-disant porte-parole comme Chalgoumi et d'autres, des personnes extrêmement avec un niveau par terre, des manipulateurs, des francs-maçons, bah c'est la même chose pour les juifs, hein, c'est malheureux, cette malheureuse communauté comme la communauté chrétienne, comme la communauté musulmane, sont coincés en parlant leur nom, malgré eux, on les salit malgré eux, on les expose, on les met, enfin, on les jette en pâture, on les met en danger permanent, parce que les comploteurs francs-maçons se cachent, hein, derrière les juifs, en faisant passer les comploteurs comme étant les juifs, en faisant passer les oligarques, ceux qui les corrompus, ceux qui détiennent toutes les richesses comme étant uniquement et purement les juifs, des juifs. Non, c'est la franc-maçonnerie et c'est les sionistes. Hein, ceux qui sont, quand on parle d'Israël, on parle des gouvernants d'Israël. Les gouvernants d'Israël, c'est des sionistes, c'est l'extrême droite, sionistes israéliennes, ils sont pas uniquement en Israël. Nous avons en permanence des sionistes en France, au gouvernement, dans la politique, dans les médias. Nous avons Emmanuel Valls, nous avons François Hollande, nous avons des exemples sont multiples. Donc voilà, pour ceux qui entendent ce mot et qui prennent peur, ils se disent tiens, moi je vais aller ailleurs parce qu'ici ça parle de complot. Il y a une distinction volontaire qu'on doit tous faire lorsque on veut parler donc du problème des complots et de la corruption visible dans les médias un peu partout. Il faut faire la distinction entre les juifs qui, eux, malheureusement, comme nous, les malheureux, sont coincés, hein, ne profitent d'aucune manipulation, ne passent pas dans les médias pour vendre des livres, ne détiennent pas les grandes banques internationales, ne réfléchissent pas et ne mettent pas en place des attentats sous vos drapeaux ou des complots. Hein. Il faut le comprendre, il faut faire la distinction. Nous parlons des sionistes. Donc voilà, c'est des gens qui disent, qui se disent donc de juifs ou des fois même musulmans, catholiques, mais c'est des manipulateurs, c'est des francs-maçons.
Voilà, ça c'était cette page. Coucou Marie Lefebvre Tavernier, tu n'étais pas à l'heure. Voilà, tu es d'accord, Mason Machione. Voilà, bah tu le Cyrus, il va falloir que tu viennes de temps en temps en live avec moi. Hein. Donc voilà, je vais te lire, tu expliques bien la chose. Le sionisme, c'est un premier niveau d'analyse plutôt moderne, nous disant qu'il existe une oligarchie mondialiste avec ses représentants en France, avec une idéologie messianiste. Comment dire, des lettres gravées en or massif, ce que tu viens d'écrire. Ça représente mieux que des phrases longues. Ce que l'oligarchie ne veut pas, c'est qu'une alliance islam-catholique se forme contre l'oligarchie. C'est exactement ça, et je dirais même au-delà de cette alliance-là, y compris les athées, les juifs, toutes les obédiences, s'allient finalement contre les francs-maçons, parce que la franc-maçonnerie est une religion. Eux, leur but, c'est de faire croire que c'est des réunions de clowns philosophes qui parlent du monde. Mais on ne peut pas croire à ça. Qu'est-ce que nos gouvernants, nos ministres, nos politiques, nos députés, nos juges, nos magistrats, c'est des gens quand même, c'est les élites, des gens extrêmement puissants, des médecins, nos recteurs, nos inspecteurs de l'éducation nationale, nos profs pour une majorité, nos gradés militaires, nos gradés de la police, nos gradés de la gendarmerie, enfin, nos présidents, que vont-ils foutre dans des réunions pour se poser des questions existentielles, si ce n'est pour, encore une fois, recevoir des ordres, pour comploter, pour se mettre d'accord dans l'ombre, contre nous, contre le peuple, pour s'organiser contre nous, pour se soutenir entre eux, pour se rendre des services, pour se sauver la peau de poursuites judiciaires ou pour s'informer de futures affaires. Voilà, c'est insupportable. Comment peut-on accepter que ça existe dans un pays, un tel niveau de corruption, un tel niveau d'organisation secrète. Elle est où la transparence? Elle est où la transparence? Voilà, mes chers amis. Marie Lefebvre, bienvenue. Effectivement, la RICAL, tu dis, la LDJ est interdite dans plein de pays, hein, y compris à vérifier, mais je sais que c'est interdit, y compris aux États-Unis et en Israël, mais allez savoir pourquoi c'est autorisé en France. Cyrus, tu dis, le complot est la case dans laquelle l'oligarchie veut nous classer. J'en sais quelque chose, mon cher ami. Chercher la vérité et des faits tangibles, sans ce qui fait l'identité du dissident, absolument. Voilà, Gilbert Chabrol, tu es d'accord. Mathilde Aziza de Carvalho, tu dis complètement d'accord avec toi, Mehdi. Merci, Mathilde. Marie-Maurice Patigno Moussa, tu dis oui, tu as raison. Tout ce qu'on a touché est fait de moderne. Film, vidéo, star, concert, nous a emmené là où on est aujourd'hui. Bien entendu, les artistes, tout ce monde soi-disant culturel, parce que ça c'est une culture, enfin vous rigolez. Les petites engueulades entre les enfants bio et les enfants adoptés, enfin la mère des enfants adoptés de Johnny Hallyday qui passe avec un générique « Culturez-vous », ça c'est de la culture ça? Ils se moquent de vous, ils se moquent de nous. Mes chers amis, je vais
reprendre la diffusion de vidéos suite à ce petit aparté donc d'analyse. Donc là, nous avons le témoignage de la sœur de l'homme qui a perdu la main. Donc elle affirme qu'il n'a pas ramassé la grenade, mais qu'elle a explosé sous sa main. Voilà, on va l'entendre. Ça va paraître difficile, hein. Donc s'il s'est penché et effectivement qu'il n'a pas ramassé la grenade, le fait qu'il se soit penché, vaut mieux changer on va dire de défense, hein. Vaut mieux se poser la question pourquoi cette grenade a été jetée? Que faisait-elle là? Moi personnellement, lorsque je me retrouve avec une grenade qui est jetée à mes pieds, bah, je vais naturellement, dans une réaction naturelle de survie, essayer de l'attraper pour l'éloigner. Hein, je vais dire, c'est voilà, plutôt se prendre cette défense-là, plutôt que de s'embourber. Est-ce qu'il l'a attrapé? Est-ce qu'il l'a pas attrapé? Allez, on regarde. Il n'a pas ramassé la grenade, elle a juste éclaté sous sa main. Donc arrêtez vraiment de dire n'importe quoi. Après, je sais vraiment plus quoi dire, mais Il a eu aussi un éclat au il a visage. eu un éclat au visage et franchement, police de merde quoi. Devant le Police de ministère. merde. Devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale. Il faut donner les détails. Tous ceux qui ont des témoignages à apporter, vous pouvez les mettre, vous pouvez les mettre C'est l'année. Sur France en colère. Voilà. Bon. Allez, je vais vous mettre quelques petites vidéos. Donc là, c'est la nuit jaune un bout de nuit jaune de Biarritz. Allez, on regarde un bout de nocturne jaune à Biarritz. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques, ça fait plaisir. Cette solidarité, cette fraternité, voilà le mot que je cherchais. On la ressent, cette fraternité. On n'a jamais ressenti autant de fraternité, pourtant c'est écrit dans la devise de la République. Hein. Mais on n'a jamais, moi je n'ai jamais ressenti autant de fraternité que là depuis bientôt 3 mois. Avec les gilets jaunes, jamais, hein, jamais. De la vraie fraternité, pas les artifices. Hein. Les artifices de SOS racisme et toutes ces conneries-là. Bon, si vous voulez, je vous montre après un petit bout, comme ça vous voyez qu'il y avait une présence partout, dans toutes les villes. Là, c'est Saint-Étienne, on va aller vite, allez. Je vais vous nommer juste les endroits. On va voir juste les présences. Saint-Étienne. On va continuer. Donc là, c'est un commissaire qui s'est pris un coup de pied au visage sur Paris. On va regarder ça. Hop. Oh!
Bon, vous avez vu au fond de l'image qui s'est fait interpeller celui qui a fait ça. Donc Montpellier, allez, on va regarder. Là, on voit qu'il y a du nombre aussi. Ils sont beaux, ils étaient beaux à Montpellier. On va regarder Montpellier. C'était Montpellier, ils sont beaux, ils étaient beaux. Compiègne. Comme ça vous avez, vous voyez que toute la France, hein, tout le territoire s'est mobilisé. Voilà, c'était Compiègne. Donc là, c'était en plein Paris. Je pense que bon, bah, ces images, vous les avez vues. On va regarder un bout. C'était sur Paris, ces tensions. Je suis passé devant. Oh merde, j'ai déjà jeté les... Oh non! Et ils sont où? Et ils sont où? Ils sont où, les gars? On va pas vous marcher dessus, les gars! On va pas faire de mal! J'avais le micro coupé. Je te taquinais, Galactica, je te disais, c'était pas toi là. Il te ressemblait un peu. Alors là, on va voir un gilet jaune qui a reçu un coup de matraque sur la tête, un blessé donc sur Paris. Ça. Voilà, la mauvaise qualité est due au fait que c'était des Facebook Live. Hein. Donc là, c'est sur Paris, c'est d'un autre angle ce qu'on a vu tout à l'heure, mais d'un autre angle par rapport au commissaire. Donc, on va regarder. Et aussi, hein, je vous invite tout le temps à observer ceux qui vont communiquer avec les CRS. Souvent on met des femmes menues, mais c'est des policières, hein, c'est des agentes, que ce soit des renseignements ou des policières, hein. Ça permet de, elles peuvent s'il le faut donc parler à un manifestant, aux manifestants. Les policiers, les CRS ne parlent pas, et les CRS, vu qu'ils portent l'uniforme, leur message serait inaudible, alors que si vous mettez une femme en gilet jaune qui s'agite comme ça, qui dit allez c'est bon on arrête, etc., ça sera pas le même message. Donc voilà, je vous invite à toujours observer à chaque fois qu'il y a des gens qui s'interposent comme ça, qui s'inventent comme ça, comme
comme, je sais pas, des arbitres entre les CRS et les gilets jaunes pour retenir. Souvent, c'est pour retenir des gilets jaunes. Alors que le mec, il dit, on l'a vu dans une vidéo, le mec, il dit, non, non, mais moi, j'ai mon copain, il a rien fait, il s'est fait éclater, je veux juste voir comment il va. Non, non, mais tu verras après, tu verras après. Pourquoi? Parce que si c'est les policiers qui vont lui dire, non, non, casse-toi, ça va s'enflammer. Allez, on regarde. Voilà, c'est ces deux femmes-là que j'ai repérées, en plus avec les lunettes là. D'avoir des femmes aussi courageuses qui disent oh, qui arrivent à arrêter une colonne de CRS complètement déchaînée, qui tape sur tout ce qui bouge et que personne, toute la foule n'arrive pas à contenir ni à affronter. D'avoir deux femmes, dont une qui porte des lunettes, enfin je sais pas, de Chip and Dale, hein, une lunette de boîte de nuit, qui arrive comme ça, oh, oh, et elles arrêtent, regardez, elles arrêtent. Toute la colonne, c'est bon, voilà, ça, pour moi c'est évident, hein, ça pue l'orchestration, ça pue les collègues, hein, c'est des collègues, hein. Allez, on va regarder, c'était plus visible, c'était mieux visible sur la vidéo de tout à l'heure, on les a vus bien, on a bien vu. Allez, on regarde au milieu. Voilà, là vous voyez, avec ses lunettes, des lunettes jaunes. Et elles arrivent à deux femmes à arrêter, enfin je veux dire, à stopper net l'avancée des CRS. C'est incroyable. Hein. Alors qu'ils tapaient dans le tas, qu'ils en avaient rien à foutre il y a 3 secondes. Hein. Voilà, mes amis. Allez, on continue. Donc là, il y a eu une tentative de blocage du trafic à la frontière italienne. On va voir des motards à Nice, donc qui ont essayé de faire ça aujourd'hui, des motards gilets jaunes à Nice. Ah, les motards de Nice en action. Voilà, aujourd'hui, vous le savez, à Nice, il y a Fly Rider qui est avec nous. On va laisser faire un blocage de la frontière italienne. Mais en avant, avant tout, les motards, on va se faire nos petites actions à nous. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Voilà, je suis en plein milieu de la route. Bravo les gars. Les initiatives, les initiatives. Opération payage gratuit à Viry, en Haute-Savoie. C'est le 74. Il y a eu une opération payage gratuit. On va regarder ça. Bravo, bravo. C'est un acte 13, je vous le dis. Hein. C'est le meilleur acte que j'ai jamais vu. Hein. C'est royal, c'est total, c'est complet, c'est partout. Ici de 45 à 77 euros de péage pour nos bagnoles qui passent, sans compter les camions. Donc là, on vous attend en nombre, on a besoin de vous. Donc, voyez, ça fluidifie. Là, il y a un petit ralentissement, mais c'est les vacances d'hiver. Ça tourne mieux que quand. Voilà, c'était donc pour cette opération péage gratuit. Vous regardez à Pau, comment c'était beau.
que le nombre de monde qu'il y avait. Regardez Pau. Regardez Pau. Levé de la victoire. Ouais, c'est... On continue, mais avant, Cyrus, j'en étais certain que toi aussi ça te plairait. Tu dis excellente action pour le péage, car ils lèvent les barrières et font profiter les gens gratuitement. C'est ce que l'on faisait au début, parfaitement. Il y a aussi Eric Fioril qui a pas mal fait et appelé aux opérations péage gratuit. Ce qui est l'inverse des grèves et des blocages. Hein. Là, nous sommes pour l'ouverture, hein, pour lever, ouvrir les barrières. Et puis il y en a, ils veulent tuer le mouvement, ils sont pour fermer, bloquer, arrêter, gripper, empêcher les gens d'avancer. C'est deux visions totalement opposées. C'est même pas différent, c'est opposé. Alors, bah c'était... Tôt ce matin à Ouistreham, donc ils ont bloqué des poids lourds qui voulaient accéder au ferry. Allez, on regarde quand même, même si encore une fois je suis contre les blocages parce que c'est pas bon du tout, hein. Les poids lourds amènent nos produits et si les magasins manquent de produits, les prix augmentent et n'étant pas oligarque ni moi ni vous, les premiers impactés seraient quand même malheureusement nous-mêmes. Hein. C'est se tirer des balles dans le pied. Allez, on regarde. Ça fume, ça fume. Hop, c'était pour Ouistreham. Il y a eu aussi, tiens, Cyrus, il y a eu aussi péage gratuit à Orange. La ville Orange, Orange Sud. Il y a eu péage gratuit. Allez, c'est court, mais on regarde quand même péage gratuit à Orange Sud. Bolène vient aujourd'hui, ils nous ont demandé d'aller demain. Donc... J'ai ça, je sais pas. Attends, je sais après. Pas. C'était à Orange. Donc là, quelques images de Rouen. Rouen, il y a eu une forte mobilisation à Rouen. Allez, quelques images de Rouen. Il y avait pas mal de monde à Rouen. J'ai vu beaucoup de vidéos de Rouen. À Tourville-la-Rivière, donc la police est intervenue pour déloger un rond-point occupé par les gilets jaunes vers la mat ce matin. Hein, ce matin, on va regarder. Ouh.
la rivière. À Angoulême, il y avait aussi des motards. Il y a eu tellement de mobilisation que ça prend du temps. Et c'est tant mieux. Voilà, c'était Angoulême. On va regarder trois gendarmes donc qui se sont mis sur un gilet jaune. Donc ils ont qui ont des gilets jaunes qui ont essayé de faire un péage gratuit à la Saulce-Tallard dans le 05. On va regarder comment ils se sont mis à trois pour l'interpeller. Les citoyens, j'en ai rien à foutre. Ah, oh, vous l'avez frappé. Mais lâchez-moi, bordel! Oh! C'est insupportable, hein. On a envie d'aller nous aussi dire laissez-le, bordel de merde. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, tiens, d'habitude, hein, je ne suis pas fan, pas du tout, mais alors là, pas du tout, je ne suis pas du tout fan de Ramos. Mais par fraternité, par solidarité, et parce qu'il a été blessé, peut-être, je dis bien peut-être, que c'est à l'hôpital, ou là où il est soigné, il verra ces images, mes images. Voilà, bon bah Ramos, rétablis-toi et reviens dans le combat. Éveille-toi, si tu peux, pendant ce temps de repos, t'éveiller sur le vrai mal qui est la franc-maçonnerie. Voilà, en tout cas, un petit clin d'œil à toi. Regardez Ramos lorsqu'il est passé donc dans C8 chez le manipulateur sioniste Hanouna. Ne m'appelez pas, je viens sans votre autorisation. J'ai été remis en ordre à l'oreillette et croyez-moi que quand je lance un truc qu'il ne fallait pas lancer, eh ben, je ne fais pas le fier. Bon, bonjour à tous. Mais bonjour à vous-même. Bon, comment ça va? Ah bah, regardez. Tu dansais bien, tu jambes dans le plat. Moi, ça va rien. Hein. Pourquoi? J'ai attendu des nouvelles de Mathieu. Ne me fais pas ton regard comme ça parce que ça ne va pas. Tu sais très bien, devant tout le monde, je te le dis. Il y a Francesca, je peux. Donc voilà. Allez, après, il y a eu plein de péages. Hein, dans le Bas-Rhin, c'est le péage de Schwindrastim. J'arrive pas à le prononcer. C'était très très tôt ce matin. On va regarder.
Cyrus, absolument pour brut, absolument. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris que dans ce pays, un journaliste, c'est soit un chômeur ou un prostitué, pour être gentil, pour pas dire pute, eh bien, éveillez-vous, éveillez-vous, éveillez-vous. Alors, il y a tellement à dire. Ce que je vais vous donner d'autres informations, ce qu'il y a plein d'informations. Et alors, on va regarder. Il y a beaucoup, hein, beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos. Là, Saint-Étienne, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, regardez, c'est résumé en une photo. Je vais vous mettre ça à l'écran. Par rapport à mon questionnement sur l'efficacité des services de l'État qui n'arrivent à empêcher ni débordement, ni attentats terroristes, ni rien du tout. Regardez cette banderole très parlante. Que fait la police? Ça crève les yeux. Voilà. Ça, c'est une belle banderole. Et là, vous voyez, nous sommes apolitiques. Ça, c'est des gilets jaunes du terrain qui n'ont pas trahi. Belle banderole, hein. Que fait la police? Ça crève les yeux. Il y a un jeu de mots avec les yeux crevés. Belle banderole. Ni oubli, ni pardon. Bravo. Voilà, très 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 belle banderole, franchement, et vivement que qu'on voit se multiplier les banderoles qui disent à bas la franc-maçonnerie, qui passent des messages qui vont interpeller les personnes non éveillées. Regardez ce sondage de janvier, donc paru sur le Huffington Post. Alors, je vais vous mettre peut-être l'article. Un sondage exclusif, le soutien aux gilets jaunes ne se dément pas. Regardez ça, ça fait plaisir. Allez, je vous mets ça à l'écran, l'article. Voilà, soutien avant l'acte 13, le soutien aux gilets jaunes ne se dément pas. Sondage exclusif. Près de 65% des Français continuent à soutenir le mouvement selon le baromètre YouGov pour le HuffPost et CNews. Je ne sais pas si CNews a diffusé ce sondage. Alors regardez la courbe. Alors regardez pas à droite, hein, les mecs, hein, c'est ici.
Donc, voyez, soutenez-vous le mouvement. Là, on voit une progression. Soutenez-vous le mouvement. Donc, on dépasse, là, regardez ici, c'est les 50%. Le mouvement est-il justifié? Tout est haut. Hein. Et surtout, il y avait... Alors, il y a... Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Regardez. Regardez l'évolution. Ça, c'est extrêmement important, mes amis. Regardez. Regardez juste cette phrase. Même petit rebond pour la perception du mouvement aux yeux des Français. Ils sont désormais 77% à trouver la mobilisation justifiée contre 74% au mois de janvier. C'est-à-dire que la progression est positive pour nous. Hein, on trouve que le mouvement est justifié à 77% contre 74%. 14% au mois de janvier. Les médias, allô, BFM TV, qui aime les sondages, vous êtes où? Où êtes-vous passé? BFM TV avec l'institut Elab, par lequel est passé Sébastien Ozière, fils de Brigitte Trogneux, marié Ozière, divorcé, marié Macron. Alors, ça, on a, ça j'avais vu. Qu'est-ce qui manquait encore? Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Alors, ça c'est fait. Il manquait 2-3 informations que je ne vous avais pas encore données. Là, bon, bah, c'est le salopard de... Salopard de Berléon, hein. Ceux qui aimaient Berléon, regardez ce qu'il disait ce matin chez Éric Dussard sur les gilets jaunes. Pour ceux qui ont encore des doutes sur les manipulateurs artistes et le monde culturel, regardez. Depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Non mais sans blague, j'étais en tournée de théâtre. Alors au rond-point, la première fois, bon, on signe, on dit bon, on est avec vous, c'est vrai, on comprend. Mais je comprenais les revendications, oui, solidaire, etc. Voilà, revendications, totalement ouais. Solidaire. Et puis, au bout d'un moment, quand on sort de Bordeaux, qu'on voit une file de 10 km de camions, parce qu'ils avaient bloqué la 10, et donc c'était une nationale de 4 voies, où on a, mais c'était, ouais, à peu près 10 km de camions qui, les uns, qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne ou aller en Espagne ou au Portugal. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi. T'as pas honte, tu vois. On fait chier, quoi. Hein, on te fait chier, connard. Tiens, Cyrus, tu dis que... Tu sais où est-ce qu'il va jouer sur Paris? Eh bien, faites-le bien chier. Et moi, j'aimerais bien être avec vous, Cyrus. J'aimerais bien être avec vous. Parce que d'avoir quelqu'un qui nous crache comme ça à la gueule, sans droit de réponse, ça c'est facile. Ça, c'est une agression. Ce qu'il vient de faire, ce qu'il a fait ce matin, ça c'est une agression. C'est une incitation à la haine, c'est du dénigrement, hein, dénigrer un mouvement. Et ça, c'est une agression. Mais... Ils vont vous le vous, vous
c'est des gens qui inversent les rôles. La victime devient agresseur et l'agresseur devient victime. Donc, effectivement, lorsqu'on ira manifester avec Cyrus ou d'autres personnes, eh bien, on nous informera que ce Berléon a été menacé, a été malmené, a été oppressé, alors que vous voyez bien que l'agresseur, en tout cas le provocateur verbal, hein, l'insultant, c'est lui. Hein, c'est lui. Allez. Je sais, mes amis, ça m'énerve et je sais que ça vous énerve. Mais bon, ça fait partie du tour de l'actualité, hein, si on peut appeler ça actualité. Alors, est-ce qu'on aura le temps de regarder... Alors, je vais vous mettre cette vidéo parce que je voulais vous la mettre. Voilà, c'est les informations que je vous préparais pour la fin. On va regarder la voiture parmi les voitures donc qui ont brûlé. Allez, on va regarder ça. Donc c'était Paris. Ce mec-là, regardez, il ne porte pas de gilet jaune. Et donc il met le feu à une voiture qui était déjà vandalisée. Donc il en rajoute. Allez, on regarde. L'évasion fiscale bancaire, Cyrus, bien entendu qu'il faut en parler, mais pour moi, tout ce qui est dénonciation économique est un piège, parce que ces thèmes doivent passer après le nettoyage de nos institutions, de tout ce qui est infiltration et corruption, hein, et organisation mafieuse, maçonnique, franc-maçon, parce que les sujets sont multiples. Bien entendu qu'il y a de l'évasion fiscale, bien entendu qu'il y a de façon générale tout ce qui est argent, bien entendu qu'il y a des évasions fiscales, mais le mot m'échappe. De la corruption financière, mais bien entendu qu'il faut augmenter les salaires, bien entendu qu'il faut arrêter le racket, hein, le racket de l'État financier, bien entendu. Le sujet de bien entendu qu'il faut arrêter d'augmenter la TVA et les taxes sur les produits, que ce soit l'essence, les produits de consommation, l'alimentation, les produits de notre vie, les différentes impositions, les différentes taxations. Il faut que ça baisse, il faut que ça cesse, bien entendu. Mais ce qui compte d'abord, c'est attaquer, savoir identifier notre ennemi. Notre ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Mais nous sommes d'accord, c'est juste des approches différentes, parce que moi-même, hein, je suis diplômé en économie. Il faudrait qu'on parle d'ailleurs tous les deux de Étienne Chouard, parce que c'est piégeux, hein.
c'est des gens qui vous embarquent dans des analyses, des discours, des débats économiques. L'économie n'est pas une science sûre. Hein. Et même, on est en train de découvrir tous les jours que la médecine n'est pas une science exacte. La physique n'est pas, c'est pas fixé à jamais. Ça change en permanence. Hein. Les lois de la physique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'économie n'est pas une science exacte. Eux, ils essaient de vous faire croire que l'économie, ça peut se décider 5 ans à l'avance, et même dans un programme politique, je vais faire ci, je vais bouger ça, je te diminue la CSG, je te rétablis l'ISF, et ça va rouler tout seul, etc. Mais c'est totalement faux. Hein, on voit bien que déjà ça marche jamais, toutes leurs promesses d'inversion de courbe du chômage, etc., ça ne marche jamais, mais il suffit que vous partiez sur une base aujourd'hui de déficit, de croissance, des chiffres économiques qui sont valables aujourd'hui, ces chiffres-là et cette projection économique-là ne sera pas valable dans une semaine ou dans 2 semaines, parce qu'entre-temps, il y aura toujours les mêmes qui vont créer des événements qui vont influer sur les exportations, les importations, les cours de bourse, les cours de la monnaie, du type des déclarations guerrières, du type des déstabilisations de régime. Et ça, c'est l'économie fonctionne avec les nouvelles, hein. Les fausses nouvelles, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, l'économie tourne ainsi, hein. Donc qui influence l'économie? C'est les personnes qui peuvent agir sur les informations, sur les nouvelles. C'est les gouvernants. C'est un sujet auquel nous sommes perdants d'avance. Il vaut mieux d'abord s'attaquer aux sujets, encore une fois, fondamentaux, qui sont la guerre, par définition, et c'est sûr et certain, coûte très cher, et en humain, et en vie humaine, et en finance. Donc il faut arrêter ça. Ensuite, il faut traiter les sujets les plus importants. C'est nos enfants, c'est l'école idéologique, c'est les réponses sur les vaccins, c'est les placements abusifs d'enfants, c'est l'abaissement de l'âge du consentement sexuel de nos enfants qui est inacceptable, c'est la présence de la franc-maçonnerie dans toutes nos institutions, dans tous les pouvoirs, et cette laïcité si chère à nous tous qui n'est pas respectée par la franc-maçonnerie. Bon, ben il y a beaucoup, c'est notre liberté, hein, nous voulons être libres, hein, c'est pas l'évasion fiscale qui nous rendra notre liberté. Effectivement, c'est un sujet. Ce sujet vient une fois qu'on a repris le pouvoir et qu'on a, on a repris notre destin en main. On réfléchit comment stopper l'évasion fiscale. Mais l'évasion fiscale, c'est un problème mondial. Tant que vous aurez des pays qui vont proposer donc aux capitaux d'arriver sans contrôle et qui vont promettre un secret bancaire et donc en quelque sorte une impunité, eh bien l'évasion fiscale, vous ne pourrez jamais l'arrêter, ça fonctionnera. Donc ça, c'est un problème global et même international qu'il faudra traiter une fois qu'on aura pris les rênes du pouvoir, à commencer par un tout petit pays qui, franchement, fait beaucoup de dégâts, qui s'appelle Suisse, hein, qui est soi-disant neutre, mais qui se mêle de tout, qui est un peu partout. D'ailleurs, qui a un drapeau qui ressemble goutte par goutte, si c'est juste les couleurs qui s'inversent, hein, goutte par goutte, l'insigne, au sigle des Templiers, hein, les chevaliers du Temple. Donc bon, après il faut développer beaucoup là-dessus, hein, parce qu'aussi on a des gardes suisses qui naturellement depuis la nuit des temps se chargent de garder le Vatican. Enfin, il y a beaucoup de choses qui conduisent à croire que la Suisse n'a pas juste un rôle de fabrication de jolies montres, de très bons chocolats et de neutralité politique internationale,
ce n'est pas vrai. Hein. Donc, comme je disais, la Suisse pratique le secret bancaire. Et je vais dire, elle est entourée de grandes puissances qui, du matin au soir, disent qu'elles veulent combattre hein, ce secret bancaire. Est-ce que c'est logique? Elle est où la logique? Et en plus, c'est un pays qui est supposé être neutre, donc ne pas posséder d'armée. Pourquoi n'arrive-t-on pas à le faire plier? Allez, on va avancer, mes chers amis, on va avancer. On va avancer. C'est qui ce Lucien Castenard qui dit « Veuillez couper immédiatement votre live divulgation de secrets mettant en danger la sécurité nationale » et il met son portable. Voici votre portable, nous ne plaisantons pas, dernière sommation. C'est pas mon portable. Ok. Alors moi j'en ai. J'aurais tout vu. Hein. J'aurais tout vu, j'aurais tout connu. C'est qui ce rigolo là? Ok, allez, on va avancer. Veuillez couper immédiatement votre live divulgation. Déjà, il manque un L. Divulgation de secrets mettant en danger la sécurité nationale. Voici votre portable, nous ne plaisantons pas, dernière sommation. Déjà, en plus, tiens, il a mis le sigle de la franc-maçonnerie en. C'est bien, au moins tu t'en caches pas. Lucien Castenard, tu es donc la sécurité nationale. Tiens, dis donc. Bon, alors, je continue. C'est un franc-maçon, bah, regarde son sigle. C'est clair, carrément. Mort de rire. Allez, je continue. Ah voilà, je voulais vous montrer donc cette Porsche. On l'a vu? Non, on l'a pas vu encore. Cette Porsche qui était déjà abîmée et donc que ce manifestant, enfin cette personne, lui met le feu et cette personne ne portait pas un gilet jaune. Mais bon, on va regarder, allez. Tiens, là, tu montres ton visage. Il écrit « Vive la franc-maçonnerie ». Vive notre courant de pensée philosophique luciférien. C'est une blague. C'est une blague ce que tu dis. C'est une blague. Allez, parce que tu mets de l'animation, tu fais le clown, je vais pas te bloquer. Ça arrivera pas, il y a 200, ça arrivera pas, il y a 200, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça brûle en tout, ça arrivera pas. Vas-y, ça sert à rien, elle est morte. Voilà. Allez, on continue. Donc là, les chiffres officiels, hein, c'est le ministère dit qu'il y avait 51 400 manifestants. Et donc le ministère dit, ah oui, mais quand même, ça a baissé parce qu'il y avait 58 600. Sauf que la semaine dernière, il y avait 300 000, mon gars. Monsieur ministère, vous me le surveillez là, le franc-maçon, parce que s'il continue là, je vais le bloquer. Hein. Tiens, on a un autre. C'est alors, est-ce que c'est un autre angle ou c'est non, c'est le même angle. Chalons en Champagne, des manifestants ont tenté d'entrer dans le commissariat, ils n'ont pas réussi. À Bordeaux, des black blocs rejetés par les gilets jaunes ont laissé un message. Tiens, on va regarder.
Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme message? On va essayer de lire ensemble. Hop. On va regarder le message. Le sage mais. Hop, allez, je vous mets ça à l'écran. Voilà le message qu'ils ont laissé une fois qu'ils se sont fait virer les Black Blocs. Alors, qu'est-ce qu'on peut y lire? Cher Gilet jaune, qui ne souhaitait pas de nous. Nous ne peut-être le mot reconnaissant pas ce monde n'a pas de sens, alors on lutte, on prend des risques, c'est du taf et c'est flippant. Nous faisons cela pour que nos vies et les vôtres deviennent supportables. Notre violence répond à la leur. Nous sommes ensemble. Et vous pouviez être l'État. Bon. Au moins, respectez nos pratiques. Au mieux, rejoignez-nous. Il n'y a pas d'autre solution. Sincèrement, Gilet jaune est toujours autant Black Bloc. Ça a l'air d'être un message, je veux dire, on peut pas dire quand même que c'est un message insultant, agressif. Hein, ça a l'air d'être un message plutôt, on va dire, courtois et... et appelant à la solidarité. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, je l'ai diffusé, je le diffuse. Malgré que la franc-maçonnerie m'informe que je suis en train de mettre en jeu la sécurité de l'État, eh bien voilà. C'est quand même pas mal. Moi, je préfère voir ça que de voir des gilets jaunes tomber dans le piège et se taper dessus. Les Antifa, c'était les Antifa, Black Bloc, c'était quoi ça? C'était des Black Blocs. Bah écoutez les Black Blocs, bravo pour ce message. Je n'ai aucun problème avec ça. Bravo. Alors... Eh bien, c'était tout à l'heure une barricade qui se montait à Rouen, pas loin de la place de celle qui n'a jamais existé, qui s'appelle Jeanne d'Arc. Allez, on regarde. Hop. Alors ça c'était tout à l'heure. Tiens, on va regarder, c'est Nantes, on n'a pas regardé beaucoup d'images de Nantes. Tiens, regardez une interpellation par les policiers d'intervention. Regardez. Toujours en train de viser avec leur LBD, hein. Ça. Et moi, franchement, le mec là, j'ai pas l'impression qu'il visait les pieds.
Il a quand même son viseur assez haut. Hein. Donc là, c'est le détachement d'action rapide et de dissuasion, le DARD. Regardez cette interpellation, on reste à Nantes. Regardez cette interpellation. Autant de fumigène est-ce bien nécessaire? Et je veux dire, ça se voyait que là ça commençait à prendre feu dans les l'espèce de je sais pas comment on appelle ça, des feuillages un peu secs. Voilà. Allez, on va arrêter. Je pense qu'on a passé, il est une heure passée. On a fait un grand tour. Alors, je vais regarder les derniers événements. Alors, est-ce que... Voilà, je vais regarder les derniers événements. Alors, il y a eu une explosion suivie d'un incendie à Lyon. Il y a deux morts, dont un enfant. Cela vient de se produire. Donc voilà, je vous donne une information que vous verrez dans au moins plusieurs, je sais pas, dans au moins, dans le meilleur des cas, vous la verrez dans un cas. Ah, ça c'est bête. Ça c'est bête. Désolé, hein, désolé, les amis. Alors, vous n'avez pas eu l'information que j'ai donnée. Écoutez, sachez que il y a une explosion qui vient de se produire à Lyon. Alors, je vous donne l'information. Voilà. Il y a une explosion suivie d'un incendie à Lyon qui vient de se produire. Il y a deux morts, dont un enfant. Un des deux morts, c'est un enfant. Voilà, désolé pour le micro, hein, satané micro.
Voilà, ça. Alors, où est-ce que je voulais aller? Là. Je vais regarder, mes chers amis, les derniers. François Berléand. Berléand, François Berléand. Est quand même un sujet en tête de liste sur les réseaux sociaux. Hein. Regardez ça. Ça, c'est énorme. Il y a une affaire qui éclate. C'est une histoire d'harcèlement organisé par des journalistes parisiens sous forme d'un groupe nommé Ligue du LOL. Et cela durant plusieurs années. Tiens, je vais vous mettre l'article. C'est les journalopes hein, qui nous parlent, qui nous font les grandes morales. Il y a, les chiffres évoluent, il y a 17 morts suite à l'effondrement d'un immeuble. Alors, je vous mettrai la photo. Donc il y a l'explosion aussi, j'ai une photo concernant Lyon. Voilà, allez, on va commencer par l'article que je vous ai promis. Allez, on va regarder l'article. Hop. Allez, on va voir ça. Donc c'est sur France Info l'article. Je pense qu'on a fait une sacrée soirée ce soir. Voilà, France Info. On vous explique ce qu'est la Ligue du LOL, ce groupe de journalistes accusés de cyberharcèlement. Hein, ces mêmes journalistes qui nous parlent du matin au soir du harcèlement, le harcèlement, le harcèlement, le racket, le harcèlement. Regardez, c'est ce qu'ils font. Libération a publié un article sur ce groupe Facebook privé, regroupant une trentaine de journalistes parisiens. 30 journalistes quand même. Aujourd'hui pointés du doigt pour avoir pris pour cible de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Ah, si ça se trouve, là, le salopard qui me parlait tout à l'heure, c'est un journaliste. Bon, alors, on va essayer de traverser vite fait. Ils étaient tous influents sur les réseaux sociaux et certains auraient profité de cette notoriété pour harceler des femmes. Libération a publié un article ayant pour sujet la Ligue du LOL, un groupe de journalistes accusés d'avoir moqué et insulté de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux entre la fin des années 2000 et le début des années 2010.
On n'a pas des noms? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Bon. Ils ne sortent pas de nom. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette information. On va finir donc sur les 2-3 informations que je vous ai données à la fin. Donc j'y reviens. Alors le prince Philippe, après l'accident qu'il a eu, a renoncé à son permis de conduire à 97 ans. Encore un grand coup de com. Hein. Alors, ah oui, je voulais vous montrer donc le... Alors c'est où? Alors, je voulais vous montrer, tiens, vous êtes là. Voilà, une photo donc de Lyon. De Lyon concernant l'incendie. Je voulais vous montrer aussi une photo concernant la Turquie où il y a au moins 17 morts suite à l'effondrement d'un immeuble, de bâtiment, peut-être même plus qu'un immeuble. Alors on commence par puis on va finir là-dessus. On commence par Lyon. Regardez, c'est la photo qu'on a, que j'ai. Donc là, c'est Lyon. 2 morts suite à l'explosion, suivi d'incendie que vous voyez. Dans les 2 morts, il y a un enfant. Et ensuite, on finit avec l'article donc, concernant l'effondrement en Turquie, avec cette image impressionnante en Turquie. Alors l'article de Turquie sur la Turquie, il est là. Voilà, hop, allez, après on a fini. Regardez ça, hop, voilà. Donc c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Regardez, j'ai dit 17 morts, c'est déjà monté à 21 morts. Et c'est en train d'évoluer. 21 morts. Regardez, c'est impressionnant. Impressionnant.
Alors. C'est un immeuble. Et le président, donc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que les autorités avaient des leçons à apprendre de cet incident. Au moins 21 morts et 14 blessés. Les personnes estimées encore prisonnières sont au moins 35. Au total, il y a 43 personnes enregistrées vivant, comme étant vivant dans cet immeuble. Voilà mes amis, pour cette information, on va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous saluer et on va se quitter. Alors, très rapidement, est-ce que je vois quelqu'un d'un autre réseau avant de saluer Kalenia Aquila Tarazed, tu m'as laissé un sacré message tout à l'heure, hein, c'est un journal. On va saluer donc s'il n'y a pas quelqu'un sur un autre réseau avant de passer ici. Alors, oh, Kalenia, c'est quoi? C'est du copier-coller ça? Des messages aussi longs avec des liens. Alors, vous êtes uniquement sur Facebook ce soir? Est-ce que je vois quelqu'un sur un autre réseau? Ça fait. Je ne sais pas si je peux remonter encore plus loin. Alors, est-ce que je peux remonter encore plus loin? Bon. Allez. Bon, bah vous êtes, c'est bien. Vous êtes tous mis en mode bonne nuit, bah c'est ça tombe bien. Pat patou, bonne nuit, et à demain. Mathilde Aziza de Carvalho, bonne nuit et merci. Merci pour ton soutien. Subtil Ben, bonne nuit et merci à toi aussi. Asm for life, bonne nuit à toi aussi. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour tes encouragements. Ça me touche beaucoup, les amis. Ça me touche beaucoup. Franchement, je suis récompensé de mes efforts. Ça vaut mille fois mieux que de gratter du buzz ou des clics. C'est mille fois mieux que de l'argent. Jérémy Lester, bonne nuit. Gilbert Chabrol, mon ami, bonne nuit. On essaiera une autre fois de faire un direct, enfin un live, de te prendre un peu avec moi, Gilbert. J'ai vu que tu as acquis un très bon casque, mon cher Gilbert. On fera ça une autre fois. Olivier Poco, bonne nuit mon ami. Élise QT, ma chère amie, bonne nuit. Merci d'être passée, merci d'être toujours présente, ma chère Élise. Elodie Lucie Manino,
Bonne nuit, ma chère Élodie. Alain Muller, mon cher Alain, bonne nuit. Merci beaucoup pour ton soutien, mon cher Alain. Rical, mon ami, bonne nuit. Et à demain pour de nouvelles aventures, comme tu dis. Tu as bien raison, Cathy Elbelmelb. Tu m'as découvert, et bien moi aussi, je te découvre à l'instant. À force, je pourrais prononcer ton login. Bonne nuit, ma chère Cathy. Felice et Valérie, toujours présente, Felice. Et oui, le sapin, si je l'allume là, ça va scintiller. Et ça va perturber la webcam, à mon avis. Mais il n'y a pas de souci, on l'allumera, il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton, tu sais. Il est déjà branché. Je l'allumerai, promis, Felice. Marie-Maurice Patigno Moussa. Bonne nuit, ma chère Marie. Tu es heureuse d'avoir eu des infos, super. Bravo, merci. Bonne continuation, enchantée. C'était ta première fois. Eh bien, écoute, c'est très touchant, hein, tout ce que vous me dites. C'est très touchant. J'ai même un peu de regret à couper le live, parce que j'ai l'habitude, les personnes qui me connaissent pas, de diffuser des documentaires spécifiques avec lesquels je suis à l'aise et qui montrent l'ampleur de la mainmise de la franc-maçonnerie sur, non seulement sur la France, mais aussi sur la planète. Mais là, bon, on est parti pour se quitter, et puis vous voyez bien que nous sommes tous fatigués. Reviens, que ce soit Marie, que ce soit Cathy, toutes les personnes que je découvre et qui me découvrent aussi, revenez. Asm for Life, toi tu me connais, Asm for Life. Je crois Elodie, Lucie, Alain Muller peut-être aussi. Eh bien, revenez pour, ne serait-ce que pour voir ce documentaire sur la franc-maçonnerie. Merci beaucoup, hein, vous êtes tous très courtois, très agréables. Je ne sais pas où il est passé, le franc-maçon de tout à l'heure, là, qui se faisait passer pour les services de l'État. Merci beaucoup, hein, pour toute cette affection, hein, que vous me donnez, hein, ça me fait énormément de bien. Je me bats pour mes enfants, mais au moins, je suis pas là tout seul à ruminer, à voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire vraiment triste, dramatique, noir. Au moins, on est ensemble, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous faire du bien, et vous me le rendez. Vous voyez, c'est un échange, hein. Je vous donne, vous me donnez, je vous donne, vous me donnez. Merci beaucoup. Merci pour tout. Il a supprimé ton compte, tu dis, Rical, tu as vérifié, et t'arrives plus à aller dessus. Ah bah, il nous a menacé, et il a fini par s'auto-détruire. Hein. Antolori, bonne nuit. Yann Limousin, merci beaucoup, hein, pour ton soutien, bonne nuit. Mason Machon, Grey, Yellow, qu'est-ce que tu m'as fait là, Mason, ce soir? Ah, tu m'as fait perdre mes idées au début, je me rappelle plus sur, j'étais en train de développer, tu m'as mis les bonhommes qui n'étaient pas contents, et puis c'était pour me passer dans quelqu'un. Eh bien, vous n'allez pas me faire ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut passer. Il faut me contacter, comme vous savez faire, vous êtes dans mes amis, et puis si je peux pas regarder, je peux pas regarder. Mais ce n'est pas grave, Mason, tu m'aides beaucoup par ailleurs, c'est juste un petit incident entre frères, entre amis, il n'y a pas de souci. Cindy Goncalves Costa, tu parlais aux autres, donc tu les invitais à s'abonner à mon profil Facebook pour être prévenu de mes futurs lives. Merci Cindy, tu m'aides beaucoup Cindy.
Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci Cindy, hein. Vous êtes beaucoup à m'aider, vous êtes vraiment géniaux. Hein. Des espèces de d'anges gardiens, de modérateurs bénévoles, de... Vous êtes magnifiques. Alors, qui d'autre? Marie Lefebvre Tavernier, j'espère que tu iras mieux. Tu étais malade, tu es malade. Soigne-toi bien. Évite les médicaments, soigne-toi avec du miel, avec du sport, bois de l'eau, ne bois pas autre chose. Alors, JP Hugenel, bonsoir, on ne lâche absolument rien, JP Hugenel. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on prépare le plan B, parce qu'on voit bien que les gilets jaunes qu'on nous impose médiatisés, qu'à un moment ou à un autre, cela... Enfin, je veux dire, cela n'ira pas jusqu'au bout. Il va falloir qu'on prépare, nous tous, le plan, les plans B, parce que la révolution jaune, les gilets jaunes, va falloir aller jusqu'à un changement total et complet, structurel, du système. Il y a une autre possibilité de faire hein, que le système actuel, basé sur les entreprises, les salariés, les rentiers, les propriétaires du capital. Enfin, il y a, moi en tout cas, je peux vous en proposer, hein, mais il y a un autre système, un système encore une fois basé sur le revenu universel, un revenu universel qui ne coûtera pas un euro et qui en plus, avec le temps, en instaurant des taxes sur les robots, viendra nous apporter un bien-être à tous. Une vie, je veux dire, humaine, décente, digne. Hein, c'est ce que nous méritons tous. Hein. Allez, je vais pas développer parce que sinon on va y être pour toute la nuit. Alors, les derniers que j'ai pas vus. Le comte à Castenard. Ils l'ont pas trouvé non plus, donc bah, c'est bizarre. Hein. Si ça se trouve, c'est vrai, hein, allez savoir. Moi, je vais dire, c'est quand même bizarre comme message. Hein. Très, très bizarre. Alors, Jamie J, bonne nuit. C'est les mecs, ils arrivent même pas à me localiser. Ils passent par des comptes pour me dire, arrête, tu dénonces de trop. C'est énorme, hein. Ce live, il va falloir qu'il reste. Hein. Oui, ils doivent apparaître les commentaires. J'espère qu'il n'a pas effacé ses commentaires. Je vais voir après s'il les a pas effacés. Mais c'est énorme là. On parle de censure, on parle de tout. Vous avez vécu ça en même temps que moi. Quelqu'un qui vient, qui me dit vous balancez des secrets d'État, arrêtez ce live. Moi, je préfère croire que c'est une blague. Vous imaginez si c'était vrai, si c'était vraiment quelqu'un de l'État qui vient comme ça pendant un live en disant on vous a localisé, arrêtez tout de suite ce live, vous balancez trop des secrets d'État. Bon, c'est, je préfère croire à une blague quand même. Allez, invitation envoyée, donc Cathy, avec plaisir, elle sera acceptée. Ok, alors où est-ce qu'on en est? Daniel Douce, invitation envoyée toi aussi, ah ben, accepté à l'avance, je te le dis. Dès que je coupe le live, je regarde toutes les invitations. Merci Daniel pour ta présence et pour ta confiance. Alors, Noah, tiens, Noah qui n'est pas passé chez moi, il y a Gilbert qui se propose de passer chez toi ou avec toi. Mes amis, merci pour le partage, Jamie J. Bonne nuit, Jamie. Donostia Daniel, tu es présente souvent toi aussi. Bonne nuit et merci pour ton soutien absolument, la franc-maçonnerie. C'est, voilà, j'essaie de comprendre. C'est pas la franc-maçonnerie qui t'a permis de me connaître. Donc c'est mes lives sur la franc-maçonnerie qui t'ont permis de me connaître. Tu m'as mis un doute. Est-ce que les francs-maçons
envoie les gens voir mes lives. Non, c'est l'heure tardive. C'est une erreur d'interprétation. Le numéro de téléphone, ce n'est pas le mien. Maintenant, vu que j'utilise plusieurs façons, encore une fois, pour préserver ma connexion, parce que je sais qu'ils m'attaquent ma connexion, et comme ils le font avec tout le monde, j'ai, pour tout vous dire, j'ai une puce qui ne me donne que Internet. Alors, entre nous, il se pourrait, il va falloir que je vérifie parce que je connais pas le numéro par cœur. C'est une puce qui c'est pas une puce d'appel, donc on retient pas le numéro. Je sais que c'est pas mon numéro, c'est pas ce numéro, c'est pas le numéro, mon numéro officiel. Mais peut-être, mais c'est pour ça que, en même temps, voilà, je m'interroge. Peut-être que c'est effectivement la puce data, hein, la puce data qui sert juste à avoir Internet, que franchement je connais pas. Il faudrait que j'aille vérifier. Il faudrait aussi qu'il n'ait pas effacé ses commentaires. Donc si Rical là t'as le commentaire sous les yeux, n'hésite pas à faire une capture. Voilà, moi ils arrivent plus, ça fait un moment qu'ils n'arrivent plus à couper mes lives. C'est que forcément hein, maintenant ils arrivent plus à couper mes lives, ils viennent me dire carrément il faut que tu coupes. J'ai mis en place des structures techniques qui me permettent de tenir tenir face aux attaques, hein, face aux attaques. Bon, bah, je vais pas vous faire un dessin. Il y a des serveurs, il y a des choses comme ça. Alors, le Daniel, il y aura, je fais des lives tous les soirs sur la franc-maçonnerie. Ce soir, je vais couper, là, je suis en train de dire au revoir. Mais reviens, Daniel, et toi et les autres. Ou alors, allez sur mon profil, regardez les lives précédents, mais revenez plutôt donc demain soir, c'est-à-dire ce soir. Et promis, je passerai, si je vois que vous êtes beaucoup, je passerai les documentaires sur la franc-maçonnerie. Marie Maurice, merci pour ton soutien. Tu dis, tu es très positif et fudio. Bon, le mot, tu as dû, ça doit être la correction automatique. Tu dis avec nous. Fusionnel peut-être. Tu es très positif et fusionnel peut-être avec nous. Merci ma chère Marie. Alors, on y va. Tu dis s'il te plaît, mets-le sur ta page Facebook. Peut-être tu parles pas à moi, tu parles à Rical. Oui, tu parlais à Rical. Olivier Poco, bonne nuit, parfaitement. Le site que tu as mis, c'est un bon site. D'ailleurs, c'est de ce site-là que je diffuse certaines vidéos. Regardez.org. Allez, est-ce qu'on va pouvoir se coucher, les amis? Tiens, Catherine de Bavélaire, bonsoir, ma chère amie. Et bonne nuit. Hein, qui d'autre? Pop, hop, hop. Allez, j'espère n'avoir frustré personne. Mes amis, là je regarde, voilà. Allez, mes amis, tous ceux et toutes celles que je n'ai pas salués, qui sont partis déjà se coucher ou qui sont présentes et que je n'aurais pas pu saluer, je vous souhaite à toutes et à tous, ce qui reste de nuit, hein, une bonne nuit, et ainsi qu'une excellente matinée donc de dimanche. Je suppose que comme tous les autres dimanches qui ont succédé à des samedis hyper pourris, et là je peux vous dire que je l'entends, hein, ça souffle, il pleut, c'est l'hécatombe, tous les samedis sont ainsi. Donc voilà, je suppose que dimanche sera moins chargé, hein, vu que tout est tombé, là ils nous font tout.
tomber. Je vous souhaite donc une agréable, belle journée, je le suppose, de dimanche. Profitez de votre famille, profitez de prenez du repos, essayez de vous reposer. Le principe est celui-là, se reposer la semaine et faire une forte mobilisation les samedis. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour nous tous aujourd'hui. Bravo, 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 bravo à tous. Vous êtes magnifiques. Courage et merci à tous les héros qui ont été blessés. Hein, le jeune homme qui s'est gravement amoché la main s'il ne l'a pas perdu. Les personnes blessées à la tête, y compris Ramos. Hein, courage à toi, Ramos. On peut avoir des différences d'appréciation, de jugement, de méthode, mais nous avons, nos combattants, le même mal, et nous désirons le même monde juste et sain. Allez, sur ces paroles, mes chers amis, je vous embrasse une dernière fois, et je vous dis donc à ce soir, peut-être un peu plus tôt que d'habitude, pour essayer de prendre notre ami Gilbert et peut-être d'autres personnes. Donc la personne que vous m'avez proposée, le petit, je ne sais plus comment, voilà, je crois qu'on est en contact. J'ai vu qu'il m'a répondu tout à l'heure sur Messenger. Eh bien, on essaye, voilà, je lui lance un appel, on essaye de se brancher, voilà, demain. Allez les amis. Bisous, bisous, bonne nuit.